Ah d'accord, non mais il faut me dire les chiffres parce que je vois pas vos doigts moi d'ici. Tout va bien. Et c'est un départ d'émission bien sûr, bon, claqué au sol comme d'habitude. Alors vous êtes bien sûr sur Fréquence Métal comme tous les vendredis. On a sorti le plateau télé, on a sorti la bouffe. Vous nous voyez à l'image sur Fréquence Métal et vous nous entendez aussi sur Rockofolie, pardon. J'ai Rock à Gogo parce que j'ai peut-être une bonne nouvelle aussi pour les groupes, ça y est, j'ai trouvé un partenaire de 20 ans qui est prêt à bosser avec toute la scène émergente à des prix défendant toute concurrence, merci. Voilà, donc plein de bonnes nouvelles ce soir, mais une très très grosse qu'on attend. En attendant, ce soir, on est avec Prime Fire, et vous pouvez dire bonjour. Salut. Voilà. Du coup, on voit que vous êtes déjà nombreux dans le chat, et c'est un putain de plaisir de voir qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui nous rejoignent de plus en plus dans ce projet. L'idée c'est que vous rencontriez et puissiez parler avec des groupes que vous croiserez après en salle et en concert, dans des concerts de 10 à 20 balles. Donc autant vous faire plaisir les rencontrer parce que bah, je me doute que si un de ces jours, dans un concert, il y a quelqu'un qui vient vous voir en disant hey, « je vous ai vu sur Fréquence Métal », il y a moyen très vite de devenir pote et de boire une bière ensemble. Ouais, ça fait toujours plaisir. C'est le but du jeu et le pire c'est que ça marche, j'ai de plus en plus de témoignages comme ça et ça me fait mourir de rire, te dire qu'on a créé une espèce de, je sais pas comment dire, une espèce de grosse meute. Qui se connaissent toutes les uns les autres et que ça fout un bordel monstre. Voilà, donc c'est génial. Du coup, ce soir, on va attaquer avec les news parce que j'en ai une très importante à vous annoncer. J'ai le stress depuis une semaine de vous en parler, mais ça va le faire. On va commencer avec une petite news rapide et qui me fait marrer, entre guillemets. On va parler de Falling in Reverse. Est-ce que quelqu'un connaît? Oui, oui. Groupe qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Et là, en fait, d'habitude, il faisait couler l'encre par sa créativité et sa façon de voir le monde du le métal en question, parce qu'ils sont après en train de péter les codes et c'est cool. Moi, j'aime bien ce qu'ils font pour la plupart du temps. Sauf que là, ils ont fait couler les réseaux parce que ils ont disparu des réseaux. Ils ont cassé leur site internet et ils ont vidé leur compte. Alors, Paramore l'avait fait et on l'a appris pourquoi c'est pas news. J'espère que, à mon avis, ils vont faire la même chose que Paramore parce que connaissant un peu les bugs, l'idée de Paramore de on casse tout et on revient en mode bon bah on arrête le grand monde de la musique et on passe que par des indépendants, ça devrait plaire à Falling in Reverse, on va pas se mentir, donc on espère. Mais musicalement, ce qui fait la différence, c'est que le groupe a toujours cherché des nouveaux styles, ils arrivent souvent à être là où on les attend pas vraiment, que ce soit musicalement ou dans les clips, enfin, ils font des dingueries quand même, voilà. Donc ça c'est cool. Alors il y a un petit groupe de gens que je vois dans le codeur qui disent que ouais mais c'est pas du vrai métal, ou que c'est pas ceci, pas cela, mais bon, le groupe n'écoute pas ses avis et continue à avancer, et ils ont raison. Pour moi, on s'en fout que ce soit métal ou pas, soit tu secoues la tête et tu kiffes, soit tu secoues pas la tête, et ben YouTube, Spotify, machin, on voit ces petits tranchements, fait suivant, merci à la prochaine. Du coup voilà. Mais je parle d'eux parce que malgré toutes ces encres qui coulent un peu de partout, ils viennent d'avoir une petite victoire propre, c'est qu'ils viennent de rajouter deux singles d'or, alors impressionnante collection qui est déjà là. Les titres Voice in My Head, qui est sorti en 2022, et Watch the World Burn en 2023, sont déjà disques d'or en un an. Parce que le dernier en 2023, il y a un an, ils l'ont rempli disque d'or. Donc t'es en mode. Bah dans le métal, c'est pas rien. Voilà. Moi j'écoute régulièrement en vrai Falling in Reverse. Et enfin, quand tu vois les chiffres sur Spotify, ils explosent tous. Ouais. Sinon, en vrai. Ouais. Ce qui est marrant, parce qu'on va dire c'est pas métal, sauf qu'ils sont tagués métal. On dit les métalleux, il en est très mauvais dans les playlists, c'est vrai, ça commence à se faire, mais le monde du rap a bien compris ça avant nous, tout va bien. Mais eux, ils sont en train de péter tous les codes, parce que soit ils en métalleux, mais ils explosent toutes les playlists. C'est pas du vrai métal, mais tout le monde les écoute. Tout le monde, calmez-vous les rageux, juste regardez ça en face. Ils ont compris comment ça fonctionne, ils ont un style qui sort du lot, et ça fonctionne, donc voilà. Deux titres, deux singles d'or en plus. Moi, ce que je trouve cool, c'est que ça prouve encore une fois que le métal est loin d'être perdu. Et que en vrai, pour la scène émergente, qui des fois a un peu de peur d'aller dans la nouveauté parce que ça a toujours été fait comme ça, faites-le. En vrai, faites-le. Si vous avez une idée de barjo, faites-le parce que ces groupes-là vous prouvent que dans la nouveauté, dans le croisement des styles, ça fonctionne, ça marche. Eux, ça fait partie des groupes qui sont en train de tout exploser avec Paramore et compagnie, où ils testent des trucs complètement improbables et ça marche. Donc allez-y, c'est une bonne nouvelle. Du coup, voilà. Et là, la dose de stress arrive, parce que la nouvelle importante est là et j'ai pas. On va se la faire en devinette. Ça vous va? Si je vous parle d'associations de défense animale connues dans le monde et aussi dans le monde du métal, vous me citez qui? Shipper. La PETA. Sea Shipper. Ouais. La PETA, pas vraiment dans le monde du métal, mais ouais. SPA. Hein? SPA. Moi, dans SPA, monde du métal, un peu moins dans le monde du métal, mais il y en a une autre que j'attends. Bonne question. Ouais, si j'ai plus le nom. Mondial avec sa branche française.
Alors, si dans le chat vous l'avez, n'hésitez pas à le dire. Ouais, bonne question. J'ai dans le monde du métal. Parce que, ouais, c'est vrai que Sea Shepherd, oui. Sea Shepherd, c'est sûr. Totalement. Ouais. Sea Shepherd, très connu. Il y en a eu très souvent. Avec un numéro dans le. Allez, dans le chat, je suis sûr que vous l'avez. C'est pas Hardcore Care ou... Yes, ah, c'est okay. Ça. Hardcore Care qui est une très très gros truc. Alors, pour vous dire un peu comment Hardcore Care est né, parce que l'histoire est pas connue en vrai en France, et je trouve ça super cool. En vrai, elle a été fondée en 2013 à Détroit, donc c'est pas si vieux que ça finalement. C'était un partenaire entre Détroit Bully Corps, qui était un asso, et Bully, Baltimore Bully Crew. Donc c'est deux assos qui se sont assemblés pour monter ça. Et beaucoup d'autres maintenant, parce qu'en vrai, c'est un assemblement de plein d'associations maintenant, c'est assez cool. C'est né de deux gosses de la rue, vraiment des gars qui venaient de la rue. On a Eric Vodke et Bill Bellotti qui ont monté cette association, et finalement, ils vont rassembler leurs deux passions, qui étaient la musique hardcore et la protection des animaux. Okay. C'est vraiment, c'est deux punk à chien qui kiffaient la son et qui ont dit, viens, on monte une association qui rassemble les deux. Et je kiffe l'idée. Dans punk à chien, il y a punk et à chien. Voilà, c'est ça. Mais ça dans, dans le hardcore, t'as toujours eu des trucs... Des assauts de partout. Non mais oui, si tu prends le punk et le hardcore, toutes les assauts ont été montées par ces gens-là, toutes les webzines ont été par ces gens-là, et maintenant ces gens qui ont commencé, tu les retrouves directeurs de TF1 et compagnie. Ouais, ils ont oublié que c'était des punks à chien, mais ils ont tous commencé là-dedans. Du coup, ça me fait beaucoup rire. Alors du coup, Hardcore Care. C'est autre chose. Tu dis plus fort que les blagues, sinon ils en prennent pas. Le concept était simple, c'était rassembler des groupes qui veulent protéger les animaux, les proposer en concert. Et récupérer une partie des bénéfices pour aider à soutenir des associations animales ou des chenilles. Bah, l'idée est pas con. Tu dis bonjour, nous on a plein de groupes, en échange on prend un pourcentage, c'est rien du tout. Mais je veux dire, tu vas à un concert pas cher, tu te défonces en fosse parce que tu as des gros groupes et des trucs monstrueux, tu te défonces la nuque, et en vrai tu as sauvé des bébés chiens. C'est cool, la vie est belle. Du coup, le concept est simple, ça a fonctionné, et le mouvement prendra racine en France seulement un an plus tard avec Hardcore Care France. Et c'est là que je vais vous situer. Certainement que quelqu'un va me demander pourquoi j'en parle, mais voilà. Vas-y. Merci. Merci la régie. Pourquoi j'en parle? Et bien, merci à toi, jeune auditeur adorable, qui est derrière la régie, tout va bien. Et bien, parce que l'association Hardcore Care France, donc la branche française, très prochainement fêter ses 10 ans. Bah oui, parce que 2013-2014, tu vois. Un an après, ça a pris en France, bizarrement, un truc qui sauve les bébés chiens, ça a pris chez nous en France, tu vois, tout va bien. Du coup, ça va se passer le samedi 13 avril avec un énorme concert qui va réunir plusieurs groupes, associations et artisans partenaires, et je vais vous en parler un peu plus en détail. Du coup, pour les assos, on va avoir des assos que je connaissais pas, mais que je trouve très cool. On a The Patoon Gang, le nom fait mourir. Pas de patoune, on est là, tout va bien. On va avoir SOS Animaux 78, on va avoir Faune Alfort, bon, de Alfortville. On a Gany Pet & Co qui est de Gany, et on a Animego, pareil, ça fait un peu Pokémon, mais ouais. J'aime beaucoup, ça me fait marrer. Animego, Anidalgo, je sais pas. Voilà. Pas sûr qu'il veuille, pas sûr qu'on gagne des croquettes avec. Donc, voilà. Ajoutez à ça une expo photo, une expo tatou et des artisans de tout poil, donc ça va être cool. Ça sent l'endroit qui sent bon. Alors bien sûr, je vais y venir, on va parler concert, du coup on va parler groupe, et là... Y'aura qui comme nous? Ah là, y a des copains de partout et ça c'est bonheur. On va commencer avec Monekin qui fait la fusion groupe parisien qu'on a reçu, des yes. Copains qu'on adore. Et là ils vont jouer, donc déjà voilà, petit bonheur, vous allez voir. On a Drops qui c'est du hardcore, ils disent que c'est du hardcore PMA qui vient de Lille. Pourquoi PMA? J'ai envie d'aller voir, tu vois, ouais. Ça me fait mourir de rire. Donc Drops. On a Burn to Burn, pareil du hardcore que j'ai écouté, qui est très bon. Ils viennent de Tours, donc les mecs font déplacement en plus. Petit copain, metalcore, hardcore parisien, on a Ariel Mouille qui sera là, et ça c'est un petit bonheur, j'ai un pote d'enfance devant, donc tout va bien. On a Nothing From No One, que je ne connaissais pas, qui vient de Montpellier, donc les mecs font encore du chemin, parce que ça va se passer à Tismons, hein, à côté de chez moi. Donc très très bon groupe aussi. Et pour finir, on va avoir Loco Muerte, en tête d'affiche, qu'on a reçu à la maison. Donc comment vous dire que ça va être un bordel, ça va être génial, qu'on le répète, c'est du trash punk crossover Chicano. Les premiers à avoir fait du Chicano Mush Pit, pardon du style, mais voilà, c'est ça, ça quoi. Et qui paraît viennent de toute l'île de France, donc petit bonheur. En info pratique, concert à 10 balles, 10 balles pour les adultes, donc en vrai 10 balles pour tout ça, ton après-midi ouais, est rentabilisé. C'est gratuit pour les mineurs s'ils sont accompagnés, donc voilà. Ça va se passer le 12 rue Édouard Vaillant à Atis-Mons, ouverture des portes à 17h, fin à 23h45.
t'as que ça à foutre de ton samedi, voilà, ça te fait une bonne après-midi avec les gosses, ça leur a coûté, ça te coûte trois fois rien, en plus tu vas sauver des bébés chatons et des bébés chats. La vie est belle, donc tout va bien. Mais alors du coup, pourquoi je vous parle de ce festival? Vas-y, raconte. Vas-y, raconte. Et c'est là où la news est folle. C'est là où la news est folle et avec l'équipe, on a du mal à digérer l'info et à comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est là où vous allez comprendre que vous, dans le chat, vous, sur les réseaux, vous avez une importance capitale pour cette émission parce que là, on tape fort. Eh bien, parce que Hardcore Cas France nous a invités, et pas juste pour faire coucou, non, on nous a invités pour qu'on filme toute cette journée et qu'on vous offre ensuite deux formats vidéo. Un format court qui sera un peu l'afterfest, vous savez ce que seront les petites vidéos courtes. Et si possible, ils aimeraient bien aussi une vidéo un peu plus longue où on va interviewer des groupes, on va faire des interviews dans les stands et tout et tout. C'est fou, je veux dire qu'ils ont proposé ça à nous. Nous, on se considère comme des jeunes trous du cul dans une cave avec un micro. Donc, alors que Hardcore Cas France nous a dit, on vous veut et vous nous faites ça, on a rempilé tout de suite. C'est-à-dire que l'équipe a fait oui chef, on arrive tout de suite, forcément. Donc le format court et long, on va les mettre sur YouTube, on les passera aussi, ça sera aussi sur YouTube, c'est tout va bien. Comment dire ça? Ça va être une journée où on va filmer, mais on a plein de copains. On va être dans l'univers du tatouage, on va être dans l'univers de la photo, du film, parce que des trucs qu'on kiffe. Tout ça pour sauver des bébés chats et des bébés chiens. Je vous rappelle que notre mascotte, c'est un ourson. Bon, oui, on va kiffer notre race, et au-delà de ça, c'est là où on voulait vous remercier à travers cette news, et qu'on va se dépecer la vie pour vous faire des beaux formats vidéo, c'est que pour Fréquence Métal, c'est aussi une reconnaissance pour le projet. C'est-à-dire qu'officiellement, on a vraiment mis le pied dans le monde de la culture métal, parce qu'une asso comme ça, qui est connue quand même bien en France, et qui est connue mondialement avec la branche mondiale, savoir qu'ils nous appellent, nous, pour faire le film... Merde, c'est une putain de chance et une putain de dire ok, on existe. Il y a une autre preuve qui est tombée il n'y a pas longtemps, que samedi on va être occupé, mais pareil, on va vous faire une dinguerie. En vrai, ça y est, on a vraiment un pied dans le monde de la culture métal, grâce à vous tous, grâce à vos efforts, et on peut accéder à ce genre de choses. C'est une proposition auquel on a dit oui tout de suite, il n'y a pas une négociation de main levée, toute l'équipe avait la main levée. On va essayer de partir tous ensemble là-bas, avec tous maximum de caméras pour faire un truc vraiment joli. Mais voilà, c'est inclus, dans un mois on y est, et on va filmer tout ça. On espère vous faire un joli petit objet, parce que bah, pour nous, je sais pas, mais moi je trouve ça dingue en fait. Qu'en pense l'équipe dans le fond, avant que je bégaye bêtement? C'est génial. C'est génial. Ouais, on est d'accord, on va aller sauver des bébés chatons, ouais. Je pense qu'on peut tous s'applaudir quand même. Mais en vrai, voilà, donc un grand merci à Hardcore Cas France de nous laisser cette possibilité. Vous êtes partie déjà des fans de cet assaut avant même qu'elle nous appelle. Et un grand merci à vous tous de nous soutenir parce que vous avez créé ce mouvement. Si on vous dit que vous êtes des rodistes, c'est parce que dans l'ombre, vous faites grandir ce spectacle. Et là, on atteint un palier cette année où vraiment, on est en train de dire Fréquence Métal, c'est dans la culture métal. Et donc, il y a des choses comme ça qui vont tomber petit à petit, que vous allez dire non, c'est pas possible. Si, mais c'est grâce à vous. Donc, nous, on va essayer de faire de notre mieux pour rendre le taf le plus propre possible, mais putain, merci, on va vivre une journée de fou. Et si en plus vous venez à ce festival, bah vous avez de grandes chances de nous voir, de pouvoir venir nous taper la bise, la bière avec nous. Et je pars en, hein, mais moi je vote, hein, une journée à voir des copains, à voir des auditeurs, pour sauver des bébés chatons, et à faire ce que j'aime bien avec des groupes que j'adore. La vie est belle, ça va être un samedi génial, je pense qu'il va falloir une semaine pour m'en remettre émotionnellement. Mais voilà, c'est un gros compliment pour le projet, c'est un gros perso, c'est un truc qui me kiffe de ouf et je ne m'en rends pas compte, mais voilà. C'est où qu'on signe en fait? C'est déjà signé, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que même le dernier de l'équipe qui viendrait une semaine avant de postuler, on l'envoie avec un téléphone portable et tu filmes tout ce que tu veux, on s'en fout, ça fait des rushs. Là, le but du jeu, c'est d'avoir 10 milliards de rushs pour en faire un truc propre, tu vois, c'est vraiment... On va y aller comme des bourrins, mais comme on l'a toujours fait. Et puis voilà, gros plaisir. Donc merci à vous tous. Pour ceux qui viendront ce festival, du coup, bah, n'hésitez pas à venir. Normalement, dans le chat, on va faire popper à peu près toutes les 30 minutes un lien qui vous emmènera sur l'endroit où ça se passe, qui vous explique tout. D'ailleurs, Hardcore Cas France m'a dit, n'hésite pas à me redire que vous avez parlé de nous, parce qu'après, on te remettra en story. Donc bientôt, Hardcore Cas France va annoncer qu'il bosse avec nous. Mais dans ma tête, c'est un bordel depuis deux semaines. Je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? C'est en mode, tu regardes Punky, explique-moi ce que t'as fait, petit con. Il me répond pas, donc c'est compliqué. Du coup, ce soir, je me suis tapé un petit plaisir aussi, tant qu'on était dans les trucs connus. Je me suis dit, on va prendre un clip d'un groupe connu. Mais il y a quelque chose qui est tombé il n'y a pas longtemps, que je trouve assez fou et qui est génial. Je vais vous le faire deviner aussi. Si je vous dis que ce clip vient d'un groupe très connu français, vous auriez passé sur qui? Très connu très français. Connu français. Un groupe récent ou un groupe... Tu te démerdes. C'est vaste, hein. Bon.
Mais moi, c'est le bordel dans ma tête, donc je peux pas répondre. Le premier qui nous vient, ça va être Gojira, je pense. Ouais. Non. Mais ils ont rien sorti récemment. Récemment, c'est pas si vieux que ça. Oui, enfin, mais si tu parles récemment. Ça dépend récemment. Alors, récemment, deuxième indice. Ça dépend du récent. Ouais, vas-y. Le groupe est formé en 98 en Ariège par un certain Benjamin, un certain David, Samuel, Sébastien et Julien. Le groupe donne son premier concert à Foix à l'occasion d'une fête de la musique. C'est marrant parce que c'est des infos que je savais pas qui donnent aucun indice mais qui font mourir de rire. Ouais, c'est vrai, on avance. Alors, le nom du groupe tire son origine de la commune du papa d'un des membres du groupe. Ouais, ça y est, je l'ai. Le nom est validé tout de suite par le groupe pour sa sonorité, sa chaleur, mais aussi son métissage. Ouais, vas-y, le métissage. Vas-y, Didi. Non. C'est juste que ça donnait aucune info. J'espère que dans le fait, vous avez commencé à l'avoir. C'est un groupe qui va beaucoup se produire et produire du bon. Notamment, ils ont sorti plusieurs albums. En 2003, ils ont sorti Biotop. 2005, Oh. 2008, Une nuit pour 7 jours. 2011, Machine Rouge. 2014, Chatterbox. Ça devrait commencer à vous parler. 2016, Dance Floor Bastard. 2019, On va tous crever. 2024, Que la lumière soit. C'est divertissant. Yes! On a eu ça! Alors, ils ont aussi fait deux albums live et 5 démos live. Je veux dire que les mecs charbonnent comme des cinglés. L'Ariège, ça bosse, hein. On n'a pas le temps. Mais je l'avais. Alors, dans le groupe, maintenant, nous avons David Cancel alias Didou, qui est au chant depuis 97 et aux machines, entre 97 et 2001. On a Benjamin alias Viber, qui fait la guitare et le chant. On a Benjamin alias Ben, qui fait la guitare, on a Sylvain Saint-Robert qui fait la basse, et plutôt qu'il est doué l'enfoiré, et on a Marvin Palmeri à la batterie depuis 2022. En fait, si je vous en parle, c'est que ils étaient un peu dans le calme depuis longtemps parce qu'ils préparaient un album, voilà. Mais ils sont de retour avec l'album Que la lumière soit, et je voulais vous partager ce clip ce soir parce qu'en fait, il a annoncé l'album, et c'est un nouveau clip qui est arrivé, que ça s'appelle Si Dillerson revient sur Terre, et si je voulais vous vraiment partager ce soir, parce que c'est un titre qui va parler de partage, d'humanité, d'être les uns avec les autres. Et je trouvais que ça collait super bien avec Hardcore Ca France, avec la news qu'on voulait vous annoncer ce soir. Vu qu'on est dans le partage, tous humains, tous copains, et faisons les bonnes choses, c'était obligé que je vous annonce ce clip. Du coup, je vais fermer ma gueule, on va balancer le clip, et profiter parce que c'est une petite pépite ce clip. J'attends de voir l'album avec ferveur. Du coup, la régie, c'est parti! Les ghostés, les accomplis, les démunis, les masqués, les démasqués, les sensibles et les sensibles, les équitables, les honorables, les philosophes aux apostrophes, les séduisants, les bien-pensants, les rêveuses et les rêveurs, les petits réacs, les têtes à claques, les sachants, les croyants, les sceptiques, les scientifiques, les petits cons, parfois conspire. On revient sur terre. Les haters, les boomers, les droitards, les crevards, les enragés, désenchantés, les trolls, les clones, les clowns, les loups. Influenceurs du vide, avide, dévide, dévide, dévise, devise, devise, dévide, storytelling, stérile, dérive, lifestyle futile, stimule l'abîme. Regardons plus loin que ce qui brille. On revient sur terre.
revient sur terre, la même chair. On revient sur terre, la même chair. On revient sur terre. On revient sur terre. Retour sur Fréquence Tonale, vous nous voyez à l'image sur cette chaîne Twitch merveilleuse et vous nous entendez sur Rockanfolie. J'espère que le clip vous a plu. Petit rappel, aider ce projet, ça aide pas mal de groupes et il y a un truc tout con pour le faire, mais vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait, c'est juste de liker cette chaîne Twitch, comme ça t'es prévenu des prochains clips, des prochaines émissions. Normalement, au moment comme ça tu loupes pas la prochaine émission, tu découvres encore un groupe qui des fois va faire un concert en bas de chez toi à 10 ou 20 balles. Et t'as moyen de leur gratter une bière parce que tu les as connus grâce à Fréquence Pétale. C'est quand même une bonne chose pour un clip gratuit, tout va bien. Et surtout, le petit bonheur, c'est que si en plus t'as fait ça avec un compte, ça te permet de leur poser des questions en direct. Ce que vous pouvez faire ce soir, n'hésitez pas à poser des questions à n'importe qui. C'est fait pour, et voilà. Du coup, petit truc aussi, il y a écrit Prayim Fraya, c'est parce que je me suis planté. C'est Prayim Fraya, le groupe. Et la première question... D'où est venue cette idée con de donner un médecin ça sonne un peu, tu sais, le médicament avec de la drogue, en mode avec Prayim Fraya, t'as plus mal, t'es Fraya. Qui a osé faire ça? La musique un peu violente, quand même. Qui a osé faire ça? Il n'est pas là. Ça, il n'est pas là ce soir. Bizarrement, il a essayé de se barrer. Pourquoi il a mis le nom Fraya, qui veut dire hyper calme, cool, machin, alors que t'as une musique de vénère derrière? Franchement, plus, on n'a juste pas réfléchi, en fait. C'est qu'en fait, ça s'est fait vraiment un brainstorming. C'est lui qui a décidé. Je me désole, j'étais pas encore dans le groupe. Non. Ouais, mais t'as dit oui très vite quand même. T'as dit ok. Non, en fait, à la base, c'est venu d'une série. Oui, c'est ça. Oui, ça vient c'est une série qu'Alex regardait. Ouais. Donc, Alex qui est le guitariste, l'un des deux guitaristes, le deuxième est là. Et c'était quoi la série du coup? C'est The Young Jazz. Ouais, les 100. The 100 en français. Ah, je la connais pas encore celle-là. Et c'est post-apo, ils reviennent sur Terre. Personne l'a vu dans le groupe. Et maintenant, il y a que lui qui l'a vu. J'ai fait 4 épisodes et j'ai débranché, ça me faisait chier. Voilà, quelqu'un qui l'a regardé. Mais visiblement, dans la série, il y a un concept qui s'appelle Prayim Fraya, c'est le feu primordial. Apparemment, c'est le brouillard annonciateur de la fin des temps. Voilà, c'est ça. Je me suis renseigné quand même. Ils ont rajouté un trou d'échelle. Et du coup, voilà, c'est juste que moi, j'ai vu. D'ailleurs, je suis désolé, mais. Le mot Fraya, je sais pas, j'ai raccroché plutôt sur Freya, tu vois. Et j'ai départi. Et je crois qu'il y avait eu peut-être une erreur dans le premier mail et j'avais lu Fraya ou Fraya. Ouais. Je me suis dit, oh putain, un metal viking, c'est cool. J'ai écouté, je fais, ah non, c'est pas viking. Ah, c'est... et c'est pas Fraya du coup. On n'est pas bien du tout sûr du cas. Du coup, c'est un signe, pas de consonne, du coup. Ouais. Non, regardez-le, la prochaine fois j'éviterai de faire de la merde. D'ailleurs, je vous l'ai dit en off, mais en vrai, mardi soir, je me suis dit. T'es pas gouré dans les affichages et j'ai refait tous les affichages parce que j'avais écrit Fraya et j'étais en mode oh putain. Mais ça se trouve, tu sais que de toute façon on l'a vu passer et on n'a pas. Non, parce que j'ai rattrapé ça, c'est-à-dire que j'ai supprimé mes publications et je les ai refaites avant de poser ça tu sais, sur le truc. Et en plus, c'est même pas l'erreur d'un tag, c'est vraiment l'erreur dans l'image que j'avais. Donc j'ai été obligé de tout supprimer, tout refaire. C'est une erreur qui est faite régulièrement. Ouais, donc, t'inquiète pas, t'es pas le seul. Au moins, il y aura une fois l'erreur ce soir. Et puis, on n'est pas si douillé. Après, le truc cool, c'est que quand même, si vous tapez point d'exclamation bande dans le chat, normalement, ça renvoie votre lien où vous avez tous leurs réseaux sociaux, donc vous ne serez pas obligé de faire un même marquement, vous aurez juste à faire clic droit, nouvel onglet, et puis vous rajoutez ce que vous voulez. Après, sinon, j'ai trouvé, c'est une technique de communication. Mmh. Comme ça, on en parle du nom, et comme ça, on leur dit plusieurs c'est fois. C'est un peu fastidieux comme ça. Alors, tu veux une belle. Moi, quand je fais des fautes de grammaire ou d'orthographe et qu'on me les trucs, je leur dis non, c'est la technique de Starbucks, je fais des fautes exprès pour que je les mette en commentaire. Exactement, Technique du Starbucks. C'est ça. En fait, c'est faux, c'est que des fois, j'écris à 4h du matin. Et contre le fait que je sois à moitié aveugle, qu'il est 4h du matin et que j'ai envie de me coucher, du coup, merci. Ça laisse sur libre. On a trompé pas, t'inquiète. Bonjour, technique de Starbucks, ça passe tout.
Du coup, le feu primordial, et oui, effectivement, ça raccroche bien au groupe que vous allez entendre ce soir. Petite question du coup, mais ça existe depuis combien de temps ce groupe? Waouh, il existe depuis, il me semble, 2018. Ouais, c'est ça. Aux alentours de 2018, je pense, début d'année, quelque chose comme ça. Et puis à la base, c'est vraiment les cendres d'un groupe de reprises. Ouais. Et en fait, on était tous là. C'est quoi, à l'époque, vous étiez payé? Ouais, c'est ça. On n'a jamais jusqu'à ce stade-là. Ouais. C'était un groupe de reprises qui n'a jamais joué, qui s'est jamais produit. Un groupe de reprises qui s'appelait Too Serious. Donc je vous laisse deviner de quel groupe on reprenait les morceaux. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, on pourrait peut-être faire un truc à côté. Oui, c'est ça. On se défoule un peu plus, moins payé. Ouais, ouais. En fait, on s'est dit, il y a un feeling. On s'est dit, on s'est regardé, on se comprend quand même quand on jam un peu. Puis en fait, on s'est dit, mais non, mais en fait, on a rejoint un groupe pour rencontrer des gens, mais en soi, ce qu'on veut, ultimement, c'est composer. Donc, C'est ce qui me fait beaucoup rire, c'est que dans les groupes, généralement, ça commence toujours par de la reprise. Mm. Parce que les trucs existent, c'est plus simple que composer, tout et tout. Ensuite, tu te mets à composer, et puis après, tu refais un groupe de reprise parce qu'un jour, tu veux être payé, et tu dis que les mariages, bon. Praying Fire, ça va être compliqué de caler ça dans un mariage, tu vois. Oui, c'est ça. Alors que si tu sais faire un Led Zepp, un AC/DC, tu peux te vendre en fait. T'insères le nom d'un groupe et tribute band et puis ça marche très bien. Hein. Ou tu mets juste tribute band en mode on sait en faire plusieurs. Voilà, c'est ça, 60 tribute band, allez hop, ça passe, tu vois. C'est ça la clé quoi, être capable de faire 4 heures de reprise. Ouais, c'est ça. Et en vrai, c'est loin d'être simple et tu comprends pourquoi c'est payé, mais n'hésitez pas à en faire. C'est bien d'avoir un groupe où tu composes et que tu fais ce que tu veux, mais si tu peux ramasser un chèque de temps en temps en faisant un mariage, une bar mitzvah, un enterrement. Il faut être bon pour se vendre pour un enterrement, mais ça se fait. Oui, c'est un groupe de métal, oui. Non, non. C'est plus cohérent, Un groupe. C'est plus cohérent, hein. C'est vrai. T'as qu'une envie, c'est de chialer. C'est ça. Juste pour le jeu de mots, je vais être enterré sur un morceau de death metal, tu vois. En vrai, tu peux faire un clip, hein. Ça fait un coup de com' de fou. Tu sais, le mec. Ce ne sont pas des acteurs. C'est en vrai. Tu demandes à que le chanteur fasse un gros scream quand on descend ton cercueil. La classe. Alors, petite question pour savoir si vous en avez chié, mais vous êtes de quel coin? On est de Rouen, en Normandie. Donc de base, on en a chié, ouais. Oui, non, ça va, je charrie. On a vu pire. Il y en a certains qui sont venus de Rouen pendant les manifestations. D'ailleurs, tu te rends compte, c'est moins compliqué. C'est moins fun. Même il semblerait que c'est pas arrêté et qu'en vrai, il y en a quelques-uns qui sont arrivés sur l'Elysée. Voilà, ils ont passé les barrages. Tout va bien, les gars, bien joué. Alors, petite question un peu plus importante, et on va devoir dénoncer les deux absents, je vous débrouille, on va commencer par toi. Ouais. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans le groupe, que ce soit la musique ou ça peut être aussi les trucs, les réseaux sociaux, les machins à côté? Ben moi, du coup, c'est Antoine, donc je suis bassiste de Prime Fire. Bonsoir Antoine. Bonsoir moi-même. Et alors, je suis le dernier arrivé, donc je suis arrivé après le groupe de reprise de Gojira. Et sinon, à part mon rôle de bassiste dans le groupe, je m'occupe principalement avec d'autres, donc Valentin et Alex, mais des réseaux sociaux et de tout ce qui est administratif, tous les trucs pas fun. Ouais. Genre faire une bannière sans faute d'orthographe. Mais généralement, c'est moi. On leur file au bassiste. Hein. C'est le petit dernier et c'est un bassiste. Ah bah, tu fais les papiers. Allez. Le rôle du stagiaire. Allez. C'est ça, tous les papiers personne ne veut faire. Ça irait? Non, je t'assure que ça va pas. Ah, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que les groupes refilent souvent ça au dernier venu. Est-ce que je trouve un peu but et que je me dis que nous on a rien compris parce que moi je suis le fondateur et c'est moi qui me tape ces merdes. Donc Loulou, comme toutes les semaines, bon courage, tu vas en chier. Hein, parce que Alex aussi, fondateur aussi. Et puis, oui, c'est ça, en fait on est deux extrêmes. On est deux surtout à faire. Il te refile le taf et il te surveille si c'est bien fait. Bon, on fait à deux, en vrai, il y a un compromis. Ouais. C'est ça. Ils t'ont forcé le port de la jupe? J'ai le droit encore de mettre des deux. Du coup, pour toi, qui est-ce? Moi c'est Valentin, moi je suis batteur. Donc voilà. Non, je suis. C'est pas vrai. Non, en si vrai. Si vous étiez là pendant l'intro, il casse des fûts violents. Vous avez vu ça m'arrive, des baguettes aussi. Mais, C'est un de leurs titres hein, pendant l'intro. C'est ça. Temps. Ouais, et puis, ouais, ça casse des fûts violents, c'est pas ouf comme titre. Mais, pour les batteurs, ça casse des fûts. Ça dépend si on change de registre. Mais non, du coup, je suis le batteur. Et c'est pas mal. Pardon, je n'ai pas vu le jeu de courage. J'aime casser des fûts. Oui, j'aime casser des fûts, ouais. Et je suis dyslexique. Non, je suis batteur et de quoi je m'occupe d'autre? Bah oui, je fais un peu de communication.
Et puis oui, on a bossé avec les paroles aussi, avec donc l'un des absents, Paul, le chanteur. Et en soi, après, je suis plus sur l'artistique, c'est un peu moins sur l'administratif. Ça veut pas dire que... T'as besoin de l'artistique pour te dénoter, ouais. Mais t'as besoin du reste pour le vendre. Oui, c'est ça, mais ça veut pas dire que si moi je m'occupe pas administratif, il est moins dans l'artistique, par exemple. Oui, oui. Donc voilà, c'est à peu près tout. Bon, toi là-bas ? Moi c'est Arthur et je fais de la guitare. Et voilà. Je vois. Donc qui sont les deux grands absents ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors du coup, on a Paul, qui est donc notre chanteur. Lui, pareil qu'Arthur, il est là pour chanter. Le reste administratif, c'est pas trop son truc. Non, c'est pas le reste, c'est pas son truc. Mais en plus, il compose pas des riffs de guitare. Donc, finalement, il en faut encore moins. Mais que chanteur. Il écrit les textes. Il écrit les textes. Ouais. Et qu'après, il a aussi de très bons conseils en répétition. Exactement. C'est un peu chef d'orchestre en répète, mais hors répète. C'est parce qu'il est pas là qu'on va lui. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu sais pourquoi tu l'embauches, le reste du temps tu dis bon. Non, il tape un peu tout seul, mais quand il est là. Ça reste un chanteur. Il arrive en répète avec rien dans les mains. Donc bon. Oui, mais ses cordes vocales ont travaillé 7 heures avant d'arriver, tu vois. La différence, c'est que. Oui. Toi, tu casses ton instrument, tu peux en racheter un, lui il le casse, il est dans la merde. Sinon, le deuxième absent, c'est Alexandre, donc le deuxième guitariste. Avec qui donc je m'occupe de l'administratif parce que personne d'autre ne veut le faire. Tu sais que normalement j'ai une phobie administrative. Hein. J'ai réglé ça avec fréquence pétale. Je suis toujours en train de faire. Entre fréquence pétale et mes dossiers handicap, je suis toujours en train de faire des papiers, j'ai arrêté d'avoir une phobie, tu vois. C'est vrai que t'as raison, c'est règlement. Et sinon, à part ça, c'est lui qui a peint les pochettes de nos albums. Oh, nice! Il s'occupe de l'artistique beaucoup. Et trouver le nom du groupe. Hein. Du coup, ce soir, pour les pauses musicales, vous verrez votre logo. Et j'ai mis aussi le deuxième logo qui ressemble un peu à un tatouage Berserk. Ouais, qui me suit. Ouais, ça ressemble un peu à du Berserk, ouais. On se comprend très bien. qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai une coupure Twitch sur la télé ? C'est la télé qui a lâché ou c'est nous ? La régie. C'est peut-être la télé qui a lâché le Wi-Fi. Ça passe bien. Non, bah écoute, c'est peut-être ma Wi-Fi qui a lâché la blague. Je vais vérifier sur mon téléphone. Je l'ai sur le téléphone. Ok, bon, bah c'est juste la télé qui a lâché. Tout va bien. J'aime bien, même la télé qui a décidé de me troller ce soir. Genre, j'étais pas assez en stress, tu vois. Même ma télé, elle va me faire chier. Tout va bien. On avait une question, on va revenir un peu là. Une question qui est normale pour nous, mais qui fait démissionner quelqu'un à la FNAC tous les jours. Enfin, à chaque fois qu'on fait des missions, parce qu'il y a un stagiaire qui pète un plomb. Dans le monde du métal, on a tellement de styles que ça fait des rayons kilomètres carrés, vraiment, de pistes d'atterrissage, des trucs. Quel est le style de votre groupe ? Allez, c'est parti. J'espère que vous avez quelques heures devant vous. Tu sens le... on s'y colle, là. On va répondre ce qu'on répond à chaque fois, c'est-à-dire que à la base, on se définissait pas, parce qu'on a des influences qui viennent d'un peu partout. Sauf que ouvrir un album ou une salle de concert sont des... Voilà, c'est un peu ce qu'on disait, c'est qu'on faisait du métal extrême. Ce qui est vrai. Techniquement, ça marche. De death, de black, de... Sauf qu'en fait, globalement, tout ce qu'on fait mis un peu ensemble, c'est vrai qu'à la fin, ça fait un peu du metalcore. Vraiment. Il y a pas mal de gens qui nous définissaient ça, en fait. Il y a pas mal de gens qui disaient, ils font du metalcore. Metalcore, généralement, c'est l'étiquette que tu mets sur un groupe où tu sais pas vraiment ce qui... Non, parce que ça force le port de la casquette et du short en concert. Ça marche pour chanteur. Casquette et short des fois aussi. Donc, voilà. Non, moi je vous ai mis en metal extrême, parce que oui, effectivement, on pourrait vous définir en metalcore. Mais je trouve que quand on écoute un peu plus assidûment votre musique, c'est pas du metalcore. Tu sens beaucoup d'autres influences et des trucs un peu plus sombres et vénères derrière. Ouais. Donc j'ai mis metal extrême. Moi, ça me convient, c'est ce que je mettais dans les interviews qu'on a faites. Je disais, on n'est pas assez death pour dire qu'on fait du death, on n'est pas assez black pour dire qu'on fait du black, on n'est pas assez mélo pour dire qu'on fait du mélo. Et grosse tape dans la gueule, c'est pas un style. Mais sans se vanter de se dire ouais, on est indéfinissable, c'est pas le but. C'est juste se dire que c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est compliqué de mettre une étiquette. Et du coup, on se disait metal extrême, au moins ça n'engage à rien. Et en plus, on n'a pas envie de se mettre une étiquette. Voilà, c'est une étiquette très précise. Ça prévient quand même le premier rang qui vont prendre un pavé en pleine gueule avec les basses. Metal extrême, c'est au moins ce qu'on vient voir de base. Après, avec précision, je sais pas. Une petite question, on va revenir un peu dans la réalité, mais un truc qui me fait marrer. Du coup, on sait que le métal, ça paye pas. La musique, ça paye pas en France. Du coup, quels sont vos métiers dans la vraie vie ? Et je veux aussi le métier des deux autres. Ouais.
commence? Arthur, tu commences par nous dire ton métier. C'est incroyable, c'est un métier où je fais rien la journée. Et des fois, à la fin du mois, si je fais bien mon indemnisation Pôle emploi, j'ai de la thune. Salut! Je suis chômeur handicapé, ouais, je suis pire que toi parce que moi c'est les impôts qui. C'est tes impôts qui. Tout va bien, loulou. Enfin, là c'est un peu compliqué, j'ai un dossier qui bloque. Hein. Non mais en vrai, avant j'étais pion au collège. Voilà. Avec Antoine dans le même collège. Voilà. Trop bien. Il a adoré ce métier. Ouais, ils aimaient tellement ce métier que toutes les scènes, tous les week-ends, ils allaient bugler sur scène. Ouais, il faut se rendre, sinon on va taper les gosses. Ils, ils arrivent le matin. Oh, vous avez... C'était un bon concert, j'ai pas envie de te frapper aujourd'hui. Ça va, c'était un bon concert. Je comprends, du coup, beau métier, bon courage. T'es chercheur, on va dire. T'es chercheur d'emploi. Ouais, ça, non, chercheur tout court, ça fait mieux. Chercheur, ouais, ça fait classe. Ça fait du coup, pour toi. Bah, moi, je suis employé dans un supermarché, en fait, simplement. Donc, c'est plus un boulot quand même. Sans toi, on avait plus de PQ. Voilà, c'est ça. Alors. J'étais le héros du Covid. Et tu bossais déjà? Oui, bah oui, wow. Ça va faire 5 ans, mon ami. Tu sais, c'est, oh, les métiers, ouais, c'est les métiers qui ont pris une ampleur de fou pour le Covid. Bah, c'est ça, oui, oui. Nous, on a rangé le rayon PQ. T'es mon mec ce soir. C'est ça. C'est, on est passé de ah, c'est super que vous soyez là, à, putain, ils sont vides les rayons. Machin, donc bon. Mais non, oui, je suis employé dans un magasin. Donc, oui, mais ça paye des scènes. Ouais, c'est bon. Exactement, ça paye ce qu'il faut. Et moi, du coup, je suis assistant pédagogique dans un collège. C'est marrant, il a pas dit pion. Ouais, c'est la manière. C'est la manière cool de le dire. Entre le moment où on bossait ensemble et actuellement, j'ai changé de. C'est vrai. Donc, assistant pédagogique. Après, les deux blâmes pour avoir tapé les gamins. Ouais, c'est bon, ça. Et si on est sur le meilleur troisième. Bon, en gros, j'aide vos gamins à faire leurs devoirs. Je suis surveillant quand même la moitié du temps parce qu'il n'y a pas assez de gens. Ouais. Et quand il n'y a pas assez de profs, je fais le taf des profs que les profs ne veulent pas faire. Sympa, c'est un, ouais, peu, donc c'est un peu la pute du collège. T'es multipass. Moi j'aurais dit multipass. Ouais, c'est ça. Lilou. Mais effectivement, et du coup, t'es Lilou multipass. Ouais, c'est ça. Tu sens que tu vas prendre des vannes toute la soirée ou... Oh oui, bon. Ouais. Et j'arrive en tant que bassiste. Hein, forcément. Oui, c'est ça, c'est AED, ils disent dans le chat. Oui, c'est un classique chez nous. Ouais, c'est AED, avant on était AED. Et non, chez nous on vanne les bassistes parce que de temps en temps à la régie il y a Clément qui est bassiste. Donc, du coup ça le fait rager, il se venge après en régie, je reçois des fions en échange. Mais, il a raison. Du coup là, qui se. Du coup pour les deux derniers, leur métier dans la vraie vie. Ah bah je crois que. Paul, il fait un truc qui ressemble un peu à ce que je fais dans la vie. Ouais, mais bon, ouais. Et mais Alex, lui il avait des études par contre. Oui. Et Alex, il essaye de changer ces derniers. Ouais, il essaie de changer. Et Alex, il fait quoi comme métier, les gars? Alors, Alex, on sait pas. Parce qu'il me semble qu'il y a pas longtemps, il était dans le même corps de métier que toi. Oui, il y a pas longtemps, oui. Alex, c'est un peu nébuleux. C'est un peu nébuleux. Mais corps de métier, tu veux lui donner un nom? Chercheur. Il était chercheur aussi. Mais, non, en gros, il travaille dans tout ce qui est nature, espace naturel et tout ça avec sa conjointe. Ouais. Et alors actuellement. Ce qui est un peu important en ce moment. Ouais, 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 que des arbres c'est cool. Pas quand tu rases une forêt pour en planter une, ça sert à rien. C'est sympa en vrai. Je crois qu'il était encore en formation. C'est sous-côté. Je crois qu'il était encore en formation. Ouais. Mais du coup, oui, c'est pour travailler dans la préservation des espaces naturels. Je dis ça en vanne, mais parce que je suis tombé sur un reportage où l'État français a dit on va planter 1 milliard d'arbres. Et du coup, ils ont incité des gens à dire on vous paye. On paye pour vos arbres. Donc il y a des gars qui avaient des forêts, qui avaient acheté des forêts, qui ont tout rasé, revendu le bois, et qui ont dit on vous attend pour planter. Tu fais, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un peu te couper la moitié dans le poumon pour t'en faire greffer un autre et dire ah, mais non, je respire. Tu dis, bon. Non, mais gars, prenez des gens comme ça, embauchez-les pour leur expliquer que c'est une connerie ce qu'ils avaient fait. Ouais. Bon, enfin bref. Sinon, en vrai, Paul, ce qu'il fait, il travaille beaucoup en saison dans les campings. Oui, c'est ça. Tout ça. Ah, ouais, c'est ça. Truc. Hors d'être. Il y a mi-temps chercheur. Comment on appelle ça? Un saisonnier. Ouais, voilà, c'est ça. Les métiers où tu te dis, ils bossent pas souvent. Oui, mais sauf que eux, leurs journées sont tellement hors sort que. Déglingués quand ils ont raison de dormir froidement entre deux, tu vois. C'est... Ouais, c'est ça. Quand tes journées font 20 heures, faut. Exactement. Encaisser. Et dernière petite question avant qu'on fasse une pause musicale. Avec ce groupe, vous avez combien d'EP et d'albums et c'est lesquels que vous allez nous présenter ce soir? Avec ce groupe, on a. Facile, un de chaque, un EP, un album, donc EP qui est arrivé en premier en 2020, ouais. Et album qui est arrivé l'année dernière, fin d'année dernière, donc 2023. Et ouais, le nom de ces EP, il y a d'autres? Alors l'EP, ça, c'est Native, donc celui qui est sorti en 2020 pendant le Covid, et l'album c'est Abyss of Light Planet, donc qui est sorti là en octobre dernier. Et du coup, dans les, alors, vous m'aviez envoyé plus de 8 hits, ce qui a fait qu'on a fait l'intro avec vous, c'était cool. Vous avez prévu des morceaux d'un EP, d'un album précis ou un peu des deux?
Alors, je crois que majoritairement, on a mis du dernier album. Ouais. Et on en a peut-être mis deux. Est-ce que Will et Femme le connaissent, cet album? Ça dépend. Non. On a gagné. Non, c'est juste. Du coup, on va découvrir un peu le nouvel album. Je vais faire un petit coucou dans le chat à Sokla Noda. Tu as l'air d'être nouveau sur le chat et tu es arrivé. Tu as loupé la grande news qu'on a annoncée ce soir, mais c'est pas grave, on en reparlera. On en reparlera dans la soirée. Je vais pas dire ça comme ça, mais. Milou le couteau suisse. Couteau suisse ou plus. Oui, c'est ça. Le couteau suisse, c'est plus mignon. N'hésite pas à liker cette chaîne, comme ça, ça te permettra d'être prévenu des prochains lives. De toute façon, c'est tous les vendredis à 23h. Mais ça te permettra de découvrir encore plus de groupes. Parce que en vrai, le petit bonheur qu'on sait, c'est que ça fait 5 ans qu'on fait ça et qu'on n'a jamais été déçu par un groupe. Donc, c'est qu'il y a de la qualité dans la scène émergente et que ça vaut le coup de les aider ou d'aller les voir en concert parce qu'on prend vraiment des claques toutes les semaines. Tout va bien. Est-ce que la régie m'a préparé 2 titres pour que je puisse un peu fermer ma gueule? Bien évidemment. Bien évidemment. J'ai senti le bonheur dans ton bien évidemment. C'est Bah, pour une fois, c'est moi qui ferme ma gueule. Mais pas par choix. Donc, on a Aube et The Forge. Est-ce que vous avez un mot à dire sur ces deux titres? Un court mot. C'était court. Il y en a un qui ouvre l'album. Du coup, c'est l'ouverture du dernier album. Voilà. Qui normalement, c'est vrai, ça s'ouvre directement sur le deuxième morceau. Et je dirais que The Forge, c'est un peu le morceau le plus représentatif de ce qu'on peut faire, je pense. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui, The Forge, ouais. Je pense. Et le plus varié. C'est ça. Et du coup, c'est parfait parce que pour cette première pause, vous allez avoir le titre qui ouvre l'album. Et le titre qui représente toute leur capacité. Alors, quelqu'un dit que Hope, c'est la 5. Oui, mais après, je pense que celui qui a encodé les MP3, faut le pendre par les pieds et lui gifler très violemment le nez. Comment ça, Hope, c'est la 5. J'en viens à 12 ans, c'est ma propre preuve, c'est ça. Il va y avoir des coups de fil après. Je taquine, mais j'ai vu que quand j'ai reçu les MP3, ils avaient pas tous les mêmes noms, les mêmes machins. Je fais, oula, je touche à rien, c'est pas mon. Mais bon, va. Attends, je suis sûr que c'est parce que sur Spotify, c'est la 5. Ça va être Aube. C'est ça. Il faut cliquer sur l'album. On va vous envoyer ces deux titres. Profitez-en. Vous allez manger une grosse claque. Nous, on va se resservir à bouffer et à boire en attendant. N'hésitez pas à leur envoyer des compliments ou si vous avez aimé ou pas dans le chat. C'est fait pour ça. Préparez vos questions parce que l'émission va durer un petit moment et qu'après, on va recevoir d'autres groupes et vous n'aurez pas la chance de leur faire ces questions. Donc, profitez-en. À tout de suite. Ciao. Forsaken us, and I'll reign upon a pile of ashes. King of the world, yeah, king of the ashes, king of all men, but I'm the only man. And the voices I hear, messages from a greater being who chose me from the chosen one, the purest man there was. I should not look behind, for behind is the past, and all that remains reek of death and chaos. Yet all life force is the same. Pray, pray for the roots to take over, so that they may lay the foundation of a new world. Absent men, absent greed, absent loss, absent death. As I gaze upon the night sky, I see the promise of a brighter future in the abyss of a light planet that shines on Earth. A prophecy from a shapeless god, more powerful than all the
Et vous êtes de retour sur Fréquence Metal. Voilà, c'était la première pause musicale. On espère que vous avez kiffé. Vous avez déjà pas mal de blabs. On va y revenir dans le chat, mais on s'est pris. Vous avez bien fait marrer les loulous. J'aime quand c'est comme ça. Du coup, vous nous voyez sur la Fréquence Metal sur la chaîne Twitch. Et c'est cool parce qu'aujourd'hui, on est tous des beaux gosses, surtout Punky. Et vous nous entendez sur Encore Folie. Et vous avez loupé Punky. C'est quand même con. Petit truc, je disais que j'avais débloqué avec Rockagogo une branche pour les gros, pour que vous puissiez faire votre merch d'ultra qualité et à pas cher. Encore à moins cher que ce que moi j'ai payé pour le t-shirt, je deviens dingue, on est en train de faire des trucs. Bon, ben, en vrai, à force de discuter, de casser les couilles à des gens, on développe des trucs de fou. Et notamment, je vais vous présenter, la petite photo va arriver, une façon d'aider Fréquence Métal et de te faire un souvenir, c'est qu'on a fabriqué du coup avec Rockagogo un t-shirt ultra qualitatif, c'est-à-dire que il n'y a pas plus haute qualité dans le tissu et il est full éco-responsable. Donc, tu n'as tué aucun pingouin, même s'il mériterait, ce fils de pute. Tu n'as tué aucun pingouin en faisant ce t-shirt. On l'a mis à 30 euros parce que c'est le minimum qu'on pouvait, parce que voilà, on a tiré un peu au plus bas. Mais quand tu veux de la qualité, voilà. Un jour, on fera certainement des t-shirts à moins cher, mais on s'était dit que pour le premier t-shirt, il fallait que ce soit un souvenir, il fallait que tu le gardes des années, il fallait qu'il ne bouge pas. Donc voilà. Et on en est à un stade de qualité où si tu fais du XL dans la vie, je vais te conseiller de prendre du double XL. Parce que le t-shirt, même après 50 lavages, ne bougera pas. Et tu seras toujours boudiné. Donc, prends une taille au-dessus chez nous. Tu nous contactes sur les réseaux sociaux. On te fait un joli petit paquet, comme le paquet de ta maman. Mais cette fois-ci, c'est pas un sextoy, c'est ton t-shirt. Et on t'envoie ça tout discrètement. Voilà. Et je suis content parce que j'en croise de plus en plus. Mais avec ce qu'on a développé à force d'embêter Rockagogo, on a trouvé une autre manière de faire ou qui pourra aider les groupes. Et même nous, on va pouvoir même développer tout un merch autour de Fréquence Métal. Avec peut-être un gobelet, une tasse, une, je sais pas, une truc de plage. En vrai, on attend vos avis. S'il y a un truc vous tente, dites-le nous. On verra si on peut le faire à côté. Ça nous fait marrer. Mais là, c'est le t-shirt vraiment haute qualité, ultra souvenir. Parce que dans 5 ans, tu l'as en festival. Et si tu le fais pas passer au sèche-linge, dans 5 ans, il tient encore la route. Et on était bon parce que toute l'équipe en a. Et vous n'avez pas réussi à le déglinguer encore. Exactement. Donc voilà, tout va bien. Il n'y a que moi qu'on n'est pas parce qu'ils ne font pas le 4XL et ça me fait chier, putain. Donc voilà. Alors, est-ce que je vais avoir le temps de me relancer une petite question? Du coup, oui. Petite question à la con. Je ne sais pas si j'ai les anciens du groupe là-dedans, mais c'était quoi l'idée du groupe du départ? Parce qu'on a dit qu'au début, vous aviez une reprise. Un jour, vous aviez eu envie de composer, mais qu'est-ce qui vous a amené à dire on va fonder ça et ce truc bien bourrin qu'on vient de... Parce qu'entre la reprise de Def Leppard et ça, il y a quand même une marche que t'as montée, un escalier, on ouais, sent que t'as ça. Fini dans la cave avec de la poussière dans la bouche, quoi, c'est terrible. L'envie de composer, en fait, c'est venu parce que on était content en fait, de se retrouver pour des répétitions, et puis pour taffer nos reprises, mais... oui, j'ai vu, oui. Continue, j'arrive. Oui, tu me dis quand tu reviens. Oh, mais qu'est-ce que tu fais en chat? Et non, du coup, en fait, l'envie de composer, c'est venu parce que, en fait, on voyait que ça matchait bien. Et puis, je sais que. Alors, si, après, on rentre dans les détails, mais j'avais pris Alex à on part. On a 3 heures, tu sais. Ouais. Mais je sais que j'avais pris Alex à part et je lui avais dit, écoute, moi, je suis content, j'aime bien, on s'entend bien, ça matche bien quand on joue. Mais moi, j'ai pas envie de faire. Alex a porté plainte la première fois. Il pensait que c'était des avances. Et après, il est revenu me voir et j'ai ajouté il faudrait qu'on compose, quoi, parce que je pense que ça matche bien. Et je pense que si on se limite en faisant de la reprise, et puis en fait, après, c'est allé super vite parce qu'on. Surtout, en fait, on s'est pas dit on va faire un groupe dans un style particulier. Ouais, voilà, quoi. C'est ça. Genre, on s'est pas dit on va faire un groupe de death, un groupe de black, un groupe de. Non, c'est parce qu'on savait qu'on voulait faire ça. En fait, ouais. Je sais même pas si on l'a vraiment évoqué. C'est juste quand on a commencé à composer, c'est naturellement. Vous voulez faire quoi, les gars? Parpin? Ouais, parpin. Ouais, voilà, c'est ça. Juste on va faire du riff et on va voir avec nos différentes influences. C'est on va ça. Voir ce que ça fait, mais on est. C'était vraiment genre. Il balance un riff. Il me dit, va, l'ajoute une batterie, j'ajoute une batterie selon ce que je connais, ce que j'aime bien. Et en fait, c'est comme ça qu'on... Parce que je dois vous avouer que moi, c'est une double surprise quand j'ai entendu vos trucs. Normalement, les groupes de death ou de grindcore et tout, c'est pas les trucs que j'écoute tous les jours. Ouais. J'ai quelques groupes à force, à la fois de la scène émergente, qui trouvaient des trucs qui sortaient un peu du lot et tout. Et quand on me l'a proposé, votre groupe, j'étais en mode, ah, tu sais, c'est pas mes styles préférés. Mais tu sais, j'ai la règle de dire... Si ça me parle pas, j'invite pas. Parce que je saurais pas comment parler de vous, en fait. Et j'ai écouté un titre, j'ai fait, ouais, c'est bourrin, mais ça passe, il y a de la mélodie, c'est tranquille. Ah, ouais. Puis un deuxième, puis un troisième. Et puis en fait, d'un moment, je faisais mes mails à côté, je m'en suis rendu compte, j'avais bouffé l'EP et l'album.
Je fais, ah ouais, bon, là, en fait, faut que je les invite, y'a plus le choix. Mais je trouve que, ouais, c'est bourrin, mais il y a une musicalité, il y a un truc qui suit. Bah, en fait, je pense qu'on se ferait chier hein, si on fait oui. ça. On aime les trucs ouais. bourrins. Mmh. C'est pas la question, mais. C'est une question de dosage, en fait. Ouais, c'est une question de dosage. Nous, ça nous plaît de faire un peu d'ambiance, un peu de mélo, un peu de plein de choses, en fait, que juste balancer du riff en 0-1 tablature pendant une heure, quoi. Ce que je critique pas, y'a pas de soucis. Mais c'est, en fait. Chacun son style en voilà, vrai. Non mais en fait, c'est sans. Mais ouais, nous, c'est comme ça qu'on prend notre pied aussi, en fait. C'est ouais, c'est ça. Après, je vais pas te mentir, mais nous, quand tu vois la gueule de l'émission que ça a, t'as tous les professionnels à la radio de la télé qui disent ça doit pas durer 3 heures, c'est pas compréhensible, oui, c'est n'importe quoi, mais nous, ça nous kiffe et on s'en bat les couilles. Voilà, c'est ça, exactement. On n'a pas dans le même doute. J'ai Projet T-Rock à qui on va faire coucou, qui est un très bon youtubeur, allez bouffer ses vidéos. Il présente plein de groupes aussi, c'est une tuerie. Qui dit j'ai eu la même impression quand j'ai eu l'occasion de le présenter, mais à l'écoute, c'est la grosse claque. Bah oui, bah Loulou, tu as compris. Merci beaucoup. Merci, ouais. Et je crois qu'on a eu en même contact le même professionnel qui l'a envoyé à deux bonnes adresses. un petit clin d'œil, il est parti. Et maintenant, on est parti pour la maison des vérités. Donc, c'est une. J'adore ce jingle. En vrai, t'as envie de se connecter, ça n'a rien. Tu vois, quand on parle de trucs, on rien à foutre dans une émission de métal, c'est jingle. Mais ouais, on en a rien à foutre, ça nous fait marrer. Du coup, on va faire un questionnaire un peu débile, moi qui me fait marrer. On va commencer avec simple, on va voir vos goûts de vos chansons. Vous êtes prêts ? Ouais. Ça s'appelle la meilleure chanson pour. On va commencer avec toi là-bas. La meilleure chanson pour te réveiller. Ça y est, c'est moi qui ouvre ça. Ouais, ouais, c'est si mauvais. Ouais, façon, c'est lui qui devrait ouvrir. On est allez, bon. Tais-toi et avance. Ah, espèce de bite qui mange ta purée. C'est rien du tout. Non, vraiment, franchement. Petite dédicace au chat. Je suis si mauvais avec ce genre de choses. Moi, je suis sur du Viking Metal en ce moment. Mais le truc, il démarre tout doucement avec des tambours et tout. Mais ça me réveille pas du coup. Bah non, du coup moi j'ai plus le droit, mais c'était Can I Play With Madness de Iron Maiden. Mais j'ai plus le droit. Ah ouais. Au moins t'es sûr de te réveiller. Ouais, je sais pas, un truc. Pas un truc trop vénère au réveil. Avant mon réveil, il y a un certain nombre d'années, c'était Bleed. Ouais. Comme ça j'étais sûr ouais, que ça allait me réveiller, tu vois. Et au bout d'un moment, ça a fini par me saouler parce que je pouvais plus encadrer le morceau. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Bah, tu m'as proposé Céline Dion, c'est violent quand même. Vous êtes des tarés dans le chat. Alors, Céline Dion, pourquoi pas Céline Dion, ouais, carrément, parce que comme ça, j'avais vraiment envie de me réveiller pour éteindre le truc. Pour mettre ton téléphone à l'autre bout de la pièce, exactement. Donc Céline Dion, voilà, tiens. Ça dépend. Si c'est la chanson qui était dans le Deadpool, ça va, ça passe. Parce qu'il y a le côté Deadpool qui m'attend. Pour toi. Moi je serais parti peut-être sur. Enfin en ce moment en tout cas c'est mon mood, mais je serais peut-être parti sur un System of a Down. Ah ouais j'avoue. Ouais. Bah parce qu'il y a cette phase toujours un peu calme au début. C'est ça ouais. Et t'as le temps de rattraper ton téléphone avant de prendre un peu. Tu dis avant que Serge il me gueule dans les oreilles, il faut que je me lève. Faut que je me lève. Ouais, j'avais aussi pendant un temps The Eagle Need to Fly de Arcademy. Où t'es au début t'as l'air mode. Il faut que je vais prendre une tartasse pour toi. Alors moi je dirais, vu que généralement je me lève avant 6h du mat pour aller au taf, un truc, ça va, t'es pas au chômage. Ouais, mais le mec il a 15 semaines c'est de vacances clair. Dans l'année. Non, mais c'est clair, ah, c'est dur, c'est plein toi, là je suis en vacances, là plein c'est toi, compliqué. Petit fonctionnaire, plein toi. Non, non mais tout ça pour dire que moi j'aime bien un truc qui me réveille, et j'avoue mon petit plaisir... Fais pas ce geste comme ça, on est sur Twitch, t'es filmé, ouais, c'est dégueulasse. Bref, mon petit plaisir, c'est Knock Loose, ces derniers temps, un bon groupe de hardcore américain. Comme j'aime. La régie, il y a quelque chose à dire ou tu t'es levé juste pour de la bouffe ? Vas-y, fais de la pub. Pourquoi ? Je vois pas tes doigts. De la bouffe, c'est de la bouffe. Ah d'accord, la bouffe, ok. Deuxième question, on continue avec toi. La meilleure chanson pour supporter le quotidien du métro ? Ah. Waouh. Wow. Plus la semaine passée, plus c'était violent. C'est au moment où tu décroches ton truc, tout le monde te regarde. Quoi ? Le quotidien du métro. Bah, généralement, dans le bus, je mets ma playlist en aléatoire. Donc. Généralement, c'est du bon gros métal qui tâche. Hein, bon gros, ouais, okay. La bonne playlist. Sur, ouais. Le métro, déjà, on va passer à Rouen. Si, ouais, c'est pas vrai. Un tramway. Un tramway. Un tramway sous la terre, quand même. Okay, excusez-moi, on est pas sous la terre, donc c'est un métro. On a la barre, on a la barre par ici. On nous a proposé la Meshuggah du Nord. La Meshuggah du Nord, pas mal. Ouais, ça marche. Non, moi du coup, si on part sur les transports en commun et que tout le monde fait la gueule à les transports en commun, je partirais sur du Black. Donc peut-être. Non, mais c'est vrai. Tu vas pas réveiller un peu. Non, non mais. Alors... Ah, mais t'es sous terre, ça passe, tu vois. Ouais, voilà. Non, mais du coup, un groupe d'Herveg. D'Herveg. Ah, ouais, tu vois ça, dans le franchement, tu vois, au moins, ça te tapisse l'oreille. Et puis, ah, je vais aller. Tous les gens qui tirent la gueule, Dane Peters.
La douceur. À toi là-bas, une chanson pour séduire. T'es en date. Wow. Tu sors ta meilleure playlist. J'avoue, je mets pas trop de métal quand je sais séduire parce que je séduis tous les week-ends. Ah bah oui, moi j'ai vraiment une passion, c'est j'en séduire. Ai une, c'est I Come Blood de Cannibal Corpse. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi je valide tellement en vrai. Séduire, ouais. Tu dis au moins, c'est clair. Soit elle fuit, soit elle reste et tu y as quelque chose à faire. Non, ouais, c'est effectivement un bon crash test. Hein. Tu mets une métal extrême. Ou la playlist Carlos pour voir. Ouais. Après, du coup, si ça passe, la police Carlos, par contre, je sais pas si. Tu sais à quoi t'attends. Ouais, tu sais à quoi t'attends. Pour séduire. Non, en vrai, je mettrais un truc qui est pas trop vénère parce que j'aime pas trop imposer aux gens les musiques extrêmes en fait. Je suis pareil, ouais. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de gens où ils sont. Ah putain, le métal, les gens, ils ont pas envie de. Ils font pas l'effort d'écouter tout ça. Et en fait, c'est une musique qui est parfois si énervée, si extrême que. En fait, faut comprendre que tu peux pas l'imposer aux gens comme que c'est ça une agression, en soirée. Voilà, c'est une agression pour les autres. Ouais, et je le comprends totalement en fait. Mais alors, du coup, tu mets quoi? Ouais, moi, je mettrais, je sais pas, du rock tranquille, classique. Du rock tranquille. Ouais. Le groupe rock tranquille, ouais. Le groupe rock tranquille. Dans les trucs que j'aime. Après, la France tranquille, le rock tranquille. Ouais, c'est ça. Tranquille. J'aurais jamais mis les deux mêmes mots à côté, mais bon. Et du coup, le morceau, c'est quoi cette balade pour séduire? C'est rien, ouais, balade pour séduire. Groupe rock tranquille. Avec du saxophone en fond. Fils Balavoine, tu vois. Ah, tu mets Never Gonna Give You. Ah, ouais, parfait. Non, dans ce cas-là, il y a Seater qui a pris une reprise de. Careless Whisper. Ouais. Careless Whisper, mais repris par Seater avec un peu plus métal à guitare électrique. Franchement, elle fait le taf. Une bonne idée. Sinon, Scorpion. Ah ouais, Scorpion. Non, moi, j'aurais dit plus. Si on reste dans mon univers et que j'ai envie d'emporter quelqu'un dans mon univers, j'aurais plus dit Deftones. Ouais, les chansons. Je te vois bien pécho. Comme ça, c'est bien. À la fin de la soirée, il s'ouvre les veines. Ouais, c'est ça. Mais on le fait à deux, tu vois. Ouais, le but, c'est de le faire à deux. Non, non, c'est ça, les petites chansons un peu mélancoliques de Deftones, mais en même temps, je sais pas, il n'y a pas que de la mélancolie. Oui, Soundgarden. Comme ça, tu t'ouvres les veines bien. Oui, c'est ça. Tu commences par Deftones et tu finis par Soundgarden. Ouais, qu'à la fin, tu t'es ouvert les bras, là, c'est ça. Tu t'es vraiment vidé, quoi. T'es ouvert. Non, oui, j'aurais mis ça, ouais. Ah la vache, c'est classe. On continue, du coup, on finit avec toi. Dernière chanson. La meilleure chanson pour faire le ménage. Faire le ménage. On arrive bientôt au printemps, j'essaie de. I Want to Break Free de Queen. Ah, waouh. Monsieur, c'est bon. Tu sais avec quoi je passe mon aspi tout. Et c'est marrant parce que j'étais venu sur ça aussi. Mais il y a le geste, il y a le clip. Ouais, moi, c'est le clip, tu vois. Ah, c'est pareil. À cause de ça, tu portes la moustache. Hein, attends, si t'en as une, Arthur, n'hésite pas à passer devant moi. Merde, j'essaie de piocher dans mes refs. Qu'est-ce que je mets pour faire le ménage? Moi, c'est vraiment ces vieux classiques du rock, je sais pas pourquoi. Ouais, tu sais, les trucs qui te font un peu danser, tu vois. Moi, je mets des playlists, tu sais, les playlists GTA, tu sais, les radios de Sunday. Ouais, je mets le ménage, je mets des playlists, tu sais, des radios disco de Vice City ou de radio rock. Un truc qui te fait bouger le bassin, comme ça, tu bouges l'aspirateur. Exactement, moi, je mets ça pour faire le ménage. C'est la musique de Fallout 3. Ouais, les radios de Fallout 3 étaient très bien aussi. Ouais, ça marche. J'avoue que j'ai pas de réponse concrète, mais c'est vrai que. En fait, ça varie vraiment. Mais c'est vrai que je mets pas souvent du métal quand je fais le ménage. Je mets quelque chose de plus dense. Alors, le métal, c'est. Moi, quand je mets du métal pour le ménage, c'est que je passe en version hardcore. Ouais. C'est-à-dire que je vais bouger les meubles. Que t'attaques à base de javel, tu vois. Quand tu commences à sortir l'arme nucléaire, tu vois. Vas-y, c'est parti. Mais effectivement. Et ben voilà, très bonne question. Du coup, on va revenir à des questions un peu plus. Je répète, hein, mais dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais, parce qu'après, vous ne les reverrez pas avant au minimum 3 ou 4 ans. J'ai dû annoncer ça à un groupe il n'y a pas longtemps, c'est Ryan Will. Et je leur ai dit, les loulous, c'est au moins la saison prochaine, parce qu'on est déjà plein, donc ils ont un peu bugué. Mais sachant qu'on va les recroiser au Hardcore Carefest, ça va, je vais pouvoir leur poser quelques questions. Oui, parce que les nouveaux qui arrivent, l'annonce que j'avais prévue ce soir, c'est que oui, le Hardcore Care Fest Festival, donc le festival des 10 ans du Hardcore Care France, ils nous ont gentiment demandé d'amener toutes nos caméras et toute notre équipe pour filmer toute la journée et vous faire du contenu. Et je trouve que c'est un putain de compliment pour le projet, et personnellement, ça me botte de ouf. Pour les gens qui me connaissent un peu dans le chat, vous savez très bien que voilà, c'est une asso que j'aime bien, un combat que j'aime bien. Donc forcément, on est parti en mode, on a tous... J'ai même pas eu besoin de faire voter ça à l'équipe, en vrai. Quand c'est tombé, je l'ai annoncé, et il y a toute la WhatsApp qui a fait « Wouah !» Ok, pas besoin de valider, pas besoin de réunion, c'est parti, on l'a en fait tout de suite. Si t'as des trucs dans le chat, n'hésite pas. Je suis en train de regarder, il y a Steph qui dit « Il veut se faire de Napalm Death pour aller vite ».
Ouais, grave. La drague à l'ancienne, bonjour, t'as plus d'oreilles. C'est pas mal. Non, on parle justement du... Les très bons ponts, on parle de Hardcore Care France, mais est-ce que vous, il y a des causes ou des messages que vous passez à travers... discrètement à travers vos chansons? Ouais, il y en a plusieurs, je dirais. Je pense que déjà, un message un peu global, c'est vraiment les, le... On va dire, si j'en prends des termes, on va dire futur un peu incertain. Parce que nous, forcément, on est à peu près tous dans les mêmes âges. Non, t'es plus vieux, par contre. Ouais, je suis plus vieux d'un an. Non, t'es plus vieux. Sois pas Marcel. T'es plus vieux. T'es plus vieux. Ah, c'est Bonnet qui a une calvitie. C'est... Ah, allez, vous m'avez dit. Non, en fait, c'est parce qu'on est tous à peu près... Quand on a écrit, on était tous plus début de la vingtaine, quand on a commencé à écrire. Même avant. Enfin, moi, j'étais... Sauf un intrus parmi nous, mais ouais. On dira pas qu'il... On laisse pas le mystère, mais c'est un des deux absents. Mais son crâne le prouve. Mais en fait, les deux. Moi, l'avantage, c'est que cette fois-ci, j'ai pas demandé l'autorisation des parents pour venir à la maison, donc ça va. Oui, c'est ça. Je m'en tire bien. Par contre, on part avant 17h maintenant. Je sais. Je crois que c'est eux qui sonnent en bas. Avec les flics. Oui, c'est un peu le truc de quand on commence à devenir adulte et qu'on se rend compte de oh là là, il y a des choses qui vont pas, et qu'on se dit bah ouais, mais sauf que les choses qui vont pas, ça va nous retomber sur notre mouille en fait plus tard. Oui. Donc c'est un peu futur incertain, donc tout ce qu'on fait subir, tout ce qui est environnement, etc., mais aussi socialement, des choses qui vont pas, genre le. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a plein de lois, il y a plein de lois ou plein de trucs qui sont en ce moment en mode. Oui, ça a pas l'air si grave, mais tu sais que dans 10 ans, on va en manger plein de gueules. Et je plains déjà la génération d'après. Je sais pas où vous allez, les loulous, mais au bout d'un moment, ça va être. C'est même pas que notre pays, c'est que mondialement, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça le thème. Et en plus de ça, en fait, nous, c'est jamais dit, je pense, noir sur blanc dans nos paroles. Mais en fait, c'est un truc, c'est un peu une sorte de melting pot de tout ça. On se pose. Enfin, c'est nous qui nous posons les questions. Oui, c'est une très bonne blague, Carambar. Continuez. Ça pourrait être vraiment un bon moment pour un groupe. Tu veux plus parler. C'est sérieux, c'est fini. Non, c'est sérieux. Mais reviens plus souvent. Reviens tous les vendredis. Il est chaud. Je t'offre un abonnement si tu reviens tous les vendredis. Tu as du comme ça, moi. Non, mais c'est en réalité, j'avais pas forcément plus à dire. C'est vraiment genre le groupe. Le cri. Le cri du fond du cœur. Le cri, mais c'est plus d'incertitude. C'est genre qu'est-ce qu'on est en train de foutre. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'en échapper, soit de... Ouais, je l'ai vu un peu comme... je sais pas, je vous ai imaginé, tu sais, en soirée, en canapé, en train de discuter. Mm. Puis après, bah, la discussion vire à le truc de tous les jours, tu vois, avec les incertitudes, les colères qui remontent. Mm. Et au final, à la fin, tu dis, putain, ça casse les vents, les couilles, et bam, vous en avez fait un texte. Là où je suis d'accord, ce que tu dis, c'est que ça pourrait clairement découler... En fait, les thématiques de notre album pourraient clairement découler juste d'une discussion de soirée. Ouais, c'est ça. De 5 gars qui ont à peu près le même âge et qui font... ça pète les couilles, on fait un titre, on va gueuler c'est ça, notre âge. Ouais, mais c'est pas forcément... Alors, je sais pas si vous êtes d'accord, les gars, mais c'est pas forcément que de la rage non plus. Non, il y a un non de... c'est plus se poser les bonnes questions, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, mais t'es pas obligé, tu peux gueuler avec pas forcément... Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux gueuler par dépit, par tristesse, par... Surtout que dans l'album, en fait, on raconte un peu quelqu'un, on va dire, qui voudrait fuir tout ça. Et en fait, c'est la fin, c'est que c'est pas la bonne solution non plus. C'est qu'il faut se réveiller et qu'il faut... Il faut se bouger. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est comme je dis, c'est toujours un peu le message sous-jacent. C'est jamais vraiment dit noir sur blanc. Mais si c'est un peu un axe de compréhension de l'album. Quoi. Ouais, non, mais c'est pas mal. Ça va, j'étais pas trop mauvais. Non, t'étais bon. J'ai presque fait mon boulot ce soir, je suis content. je voulais faire un petit point dans le chat. Est-ce qu'on a des questions ou des remarques pertinentes, à part cette blague qui m'a tué? Alors là, on va occulter la blague. J'ai trois questions. Tu veux que je la dise? Ah ouais. D'accord. Alors j'ai donc le Zelos qui dit... Stylé le groupe, un cheveu long, un barbu et un dégarni, on dirait le début d'une blague Carambar. Oui, je pense au jour de la rediff YouTube ou de rediff YouTube qu'auront pas le chat, tu vois. Donc, il faudra le défi de trouver la chute. Exactement. Trouver la chute de cette blague. Et bah, tu reconnais les deux premiers, le troisième c'est caché sous un bonnet. Voilà, c'est ça. Et pourtant, le pire c'est que dans ce groupe, il y a deux dégarnis. Oui, non, mais il y a deux vrais chauds, mais c'est quand même toi le dégarni. Voilà la vérité. T'es pas dégarni. Si, il y a quelques golfs là. Moi je dirais que c'est une carence en vitamine D. Bah écoute,
écoute, tu me mets une ordonnance à la fin. Non, ça, c'est le truc que tu vois sur toutes tes vidéos. Non, non, je suis pas chaud, j'ai une carence en vitamine. Gros, il y a que 3 cheveux. J'ai un excès de testostérone. Ouais, aussi, ouais. Genre, c'est moi qui t'ai appris ça. Non, c'est Alex qui m'a appris ça parce que c'était son excuse. Genre, parce que c'est moi qui lui ai dit. Parce que Paul te l'avait dit. Non. Il y a deux choses, donc là c'est. Il y a les excuses, non, Alex, non, Alex, je crois que c'est que juste avant c'était grave. Alex, et que... Alex, il avait pas eu ses cheveux à 17 ans. Oui, voilà, là ça c'est chaud. Peine sur lui quand même. Ouais, on a des archives, mais on. J'ai un pote d'enfance, c'est pareil, il avait vraiment la tonsure du monde à 20 ans, tu vois. Bah, c'est chaud. Boule à Z, bon. Oui, par contre, boule à Z, hein. Vraiment... Ah, mais en plus, il y a Babouliné et Jason Statham qui vous ont fait le truc, les choses à la mode, allez-y quoi. Oui, c'est ça. Du coup, est-ce qu'on avait des questions dans le chat? Alors, Glenn qui demande si vous deviez recommander quelque chose à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la musique, ça serait quoi? Faites pas. Ok. Non, c'est pas vrai. Non, en vrai, c'est super vaste comme question. Moi, j'aurais un conseil, mais qui s'applique à un groupe ou une petite truc, c'est. Pour tous les groupes qui veulent se lancer, ou tous les gens qui veulent se lancer dans le podcast, dans les vidéos, les streams et compagnie, sachez que vous allez au-devant d'un problème, enfin, de beaucoup de boulot et de pas beaucoup de récompenses ou pas beaucoup de compliments. Sûr, ouais. Là, ce soir, par exemple, je vous ai donné le super compliment du Hardcore, qui, Hardcore Care France, qui nous veut pour faire la vidéo. C'est un putain de compliment pour nous, mais il y a 50 boulots derrière. Donc en fait, il faut te dire que si tu te lances là-dedans, peut-être que tes 5 ou 10 premières années, si t'as pas de chance, parce que ça compte aussi la chance, tu vas les faire en dépensant beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour aucun retour. Donc ouais. T'as intérêt à choisir quelque chose qui te plaît et qui te passionne à fond, sinon c'est mort. Ouais, ça sert à rien de faire ça, de toute façon je pense que c'est pas beaucoup de monde qui se dit ça, mais ça sert à rien de créer un groupe de musique ou autre chose en se disant ah, je vais pouvoir rentrer de la thune au bout d'un moment, j'ai un plan, une stratégie, pour un franchement, sauf si effectivement t'as un plan, un truc, tu sais que ça va cartonner et voilà, mais... Non, même ça, il y a toujours... C'est pas une bonne approche pour commencer. Mais surtout, fais pas du métal si vous faire de la thune, quoi. Et encore, même du pop ou du généraliste, je te dirais qu'il y a des gens qui sont tellement subventionnés maintenant par des grosses boîtes de prod et compagnie que t'as la chance, machin. J'ai pas mal de potes qui débutent dans le monde du rap aussi, c'est compliqué. C'est quelque chose qui te plaît, parce que la recette gagnante, elle n'existe plus. En plus, le rap, c'est l'enfer, parce qu'il y a tellement d'offres. Tellement de gens qui en font que pour se démarquer, c'est la galère. Dans le métal, si on n'a pas assez de gens pour nous mettre en avant, et pourtant c'est mon boulot, tu vois, mais même moi j'en ai conscience, et dans le reste du monde, il y a tellement de gens qui sont déjà, entre guillemets, poussés par d'autres parce que copains de copains, que ça va être compliqué. Et ça, tu peux l'appliquer à n'importe quel truc un peu artistique. Fais quelque chose qui te passionne, et pour qui tu te dis, je veux bien lâcher 10 heures par jour pendant 5 ans, c'est pas grave, ça me fait plaisir. Sinon, c'est mort. Parce que là, la question, c'était pour se lancer dans la musique. Ouais. Au sens général ou au sens débuter un instrument? C'est ça aussi. Je pense que c'était plus sens général. Se lancer vraiment dans. Je dirais que aussi un autre truc, c'est que tu as besoin d'aimer profondément ce que tu fais, mais tu n'as pas besoin de tout connaître. Tu n'as pas besoin de plomber toute la théorie et après te dire ok, je suis prêt pour commencer. En fait, pour commencer, entre guillemets, il faut faire. Je pense que nous, là où on a commencé, c'est parce que juste on était jeune et qu'on s'est dit c'était un peu soit l'activité faire. Moi par exemple, la batterie, c'était juste une activité. J'ai commencé très tôt, mais c'était juste une activité. Essaye ça, c'est pour faire plaisir au chat. Ouais, bien sûr, je vais essayer. Essaye. J'essaye avec en gardant mes lunettes. Non. Pour faire plaisir au chat. Mais parce que sinon, il m'aurait demandé. Et t'es le seul mec qui les a eu. Il y a un petit côté Daredevil, moi j'aime bien, d'accord. Daredevil, ouais. Je crois que c'est le compliment. Je te prête ma canne blanche ou pas? Je te prête ma canne blanche. En vrai, c'est ça. Eh bien, viens, il y a une reprise, on te met avec les lunettes et la canne blanche, je suis Daredevil pour le moment. Franchement, ouais. Et je veux que le mec dans le chat il vienne. Il y a peut-être beaucoup de kilomètres à faire. Il a dit c'était très stylé. Ouais, carrément, je vois de ouf là. Ouais, je vois. Merci. Quand il lève les yeux, il voit Thomas Pesquet, quoi. C'est ça. Alors, il n'y a aucune modification, puisque de toute façon, mes yeux ne peuvent pas être sauvés par des lunettes, donc voilà. C'était juste pour le plaisir de couper un peu la lumière, vu que moi, c'est chaque source de lumière m'a donné. Ça fait du bien. Ouais. Merci, Chandeklesen. Chad. Je dis Chad. Chad, ok. Du coup, voilà. Est-ce que tu avais une autre question dans le chat? Parce qu'on a bien oublié tout ce qui passe. On a un bon paquet. Je vais poser celle-là. Est-ce que si vous deviez avoir une mascotte, laquelle serait-elle?
Punky. Et on s'est pas posé la question d'un animal. Non, non, on s'est. Ouais, si, on s'était déjà posé la question. On s'était posé la question pour un animal, mais c'était pour du merch. Ouais, on a vite. Oui, même pas que même pas que du merch. Mais en fait, à chaque fois, forcément, vu qu'on est 5 à réfléchir, à chaque fois, il y en a qui se disent, ouais, non, ça c'est bon, ça c'est kitsch, non, ça machin et tout. Donc on a vite abandonné l'idée. Tu comprends, ouais, mais tu comprends pourquoi moi, le t-shirt Punky, je l'aurais pas laissé le choix à l'équipe. J'aurais dit, en fait, je l'ai fait, j'ai payé la commande, salut. J'avais pas le temps, il fallait que ça soit fait. En fait j'ai tout qui est tombé, j'ai fait. C'est le problème des concertations, c'est qu'il y a toujours, surtout quand on est 5, il y a toujours un qui va dire, non, je veux pas. Et puis, bah, vu qu'on s'écoute. Il y a Zelos qui te parlait d'un flamant rose, apparemment. Flamant rose, c'est parfait, ça part entre eux. C'est sûr que c'est déjà commandé, c'est déjà payé. Je vois tellement le flamant rose, et après tu vois le concert social, tu fais à quel moment ça a bugué. Oui, c'est ça, ça fera très plage aussi. Ouais, je raccorde ça. Des ballons, des bouées, ouais, des parasols. Bah, appuis, c'est Devin qui avait fait ça. Ouais, Devin Townsend. Il avait fait ça, ouais. J'avais vu J'ai un pote qui a un groupe où le flamant rose c'est leur mascotte, mais ils font de la house, donc rien à voir avec le métal. C'est quel groupe? The Forum of the Flex, ça s'appelle. La house, mais en. Mais tu vois, la house, encore, tu sais, c'est le truc que tu peux écouter sur la plage, Flamme Rose, ça se rattrape. Oui. Là, vieux truc dégueulasse qui sort des ombres avec un Flamme Rose, je. Non. Ou alors, c'est le piège, ou alors, faut faire le Flamme Rose, mais tu sais, où tu sens qu'il y a un piège derrière, c'est juste pour attraper le mec. Ouais. Ou alors, on les concurrence, on fait un squelette de Flamme Rose. Non, mais tu vois, les animaux un peu stylés, ils ont déjà été pris depuis des années dans le métal, donc. C'est oui, c'est ça. Et même ceux qui ont été pris. On n'a pas envie d'être cliché. Oui, c'est autre chose, il y a ça aussi. Je vais rien dire, mais je te signale que derrière toi, t'as un ourson. Oui, bon, Kitsch, je te remercie. On coche les deux. Il n'y en a pas un. Bah oui, il est unique. C'est maman qui l'avait fabriqué pour mes 21 ans. Donc il est unique. Et voilà. Et il faut que je retrouve cette maman un jour. Parce que te dire qu'elle m'a offert ça pour mes 21 ans, que j'ai 38 aujourd'hui et que c'est devenu la mascotte de la scène émergente, on lui a offert une vie au nounours. Tu vois, une seconde vie un peu chelou. Est-ce qu'on avait une autre question dans le chat? Ou une remarque pertinente? Moi je suis en train de regarder ce moment. Si vous devez absolument rencontrer quelqu'un, qu'elle soit vivante ou morte, qui ce serait? Et bien sûr, s'il y a possibilité de le reste pour parler. Ah, c'est les questions de David Castro-Lopez dans Small Talks. Oui. C'est une bonne question. Ouais. Bravo le chat, vous avez un bon niveau. T'as une idée toi, Anton? Toi, j'ai bien une petite idée de qui tu pourrais dire. Bah, musicalement, oui. Musicalement Musicalement, oui. Après, c'est uniquement musicalement ou c'est. Non, je pense que c'est au global. Alors là, c'est pas précisé. Qui te l'a acheté chez Kiniwe? Non, non. C'est une bonne question. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a un peu deux univers. C'est-à-dire que dans ma découverte du métal, effectivement, les frères Duplantier de Gojira ont été. Bah, c'était un peu un charnière quoi. Quand j'ai découvert, j'ai fait ah ok, d'accord. Qu'ils ont mis une branlée à tout le monde. Mais ouais, c'est ça, et c'est ce genre de métal que j'aime bien. Après. Ils sont arrivés avec la douceur d'un 32 tonnes, tu sais. Oui, c'est totalement ça en fait. C'est sans ironie en fait. La saison, tu sais, la fin de saison de Son of Anarchy, on était là sur nos motos en mode oui, et ils sont arrivés, PAM tomate quoi, merci, au revoir. Non, mais c'est ça, mais après, c'est vrai que j'aimerais les rencontrer, mais. T'as spoilé toute la fin de la série. Ouais, je sais. J'en ai fait pleurer quelques-uns dans le chat. Monstre. Désolé pour vous. Non, mais après, c'est vrai que. Après, voilà, on les rencontrer, ok, mais j'aurais pas grand chose à leur dire à part. C'est trop bien ce que vous faites, merci. Mais non, je sais pas. C'est pour ça que j'ai du mal aussi avec les billets de concert. Les meet and greet. Ouais, les meet and greet. Genre. Je comprends. Oui. Mais putain, je serais gêné, moi, je suis en mode. J'aime bien ce que tu fais. C'est là où je triche, moi, maintenant. Oui. C'est que quand j'ai rien à leur dire, je leur propose une émission. Oui, voilà. On en parlera plus longtemps après, tu vois. Mais... C'est ça. Et je comprends. J'avoue que, y a des personnes comme ça dans plusieurs domaines que je respecte énormément, ou vraiment j'adore ce qu'ils peuvent faire. Mais je me dis, si je les croise un jour dans la rue, à pas leur dire, ben. Je suis fan. En fait, merci pour les travaux, mais. C'est toujours ce moment un petit peu gênant où tu sais que tu te mets un peu à sa place. Ouais, il y a un gars qui va encore lui dire merci, j'adore ce que vous faites, ça m'a inspiré. Donc c'est vrai que bon, s'il y avait un intérêt à les rencontrer, je vois, genre autre que leur dire merci, c'est vrai que ça serait sympa quoi. Mais c'est dur. Hein. T'as une idée? Est-ce que je devais en ressusciter un pour le. Oui. Au moins, tu vois, je pense que je choisirais Corton de Bathory. Parce que c'est. C'est un des groupes que j'écoute le plus, un des groupes de métal préférés, et en vrai c'est un groupe avec une influence absolument fantastique quoi, que
que ce soit le début du black, après avec le viking et encore plein d'autres choses. Non, mais j'aime beaucoup. Il est bon tout court. Et ouais, voilà, et j'aime bien. J'adore ça. Fait partie de ces artistes ou. C'est un peu, il est un peu légendaire. Il est un peu légendaire sans jamais avoir été une star. Il est quand même resté beaucoup dans l'underground, beaucoup dans le DIY, ouais. Ce type-là. Et puis il est mort hyper jeune, tout seul, dans son appart. De manière un peu triste, alors qu'il préparait encore plein de choses. Les artistes maudits, ce qu'on appelle. Ouais. Moi j'avoue que j'ai vécu ça avec les Locaux Meurtés, parce que du coup ça faisait quand même 10 ans que je les écoutais avant qu'ils viennent à la maison, et que les prochains ce serait Sid Larsen ou Massisteria. C'est pareil, c'est deux groupes que je suis depuis un temps. Et l'avantage c'est que moi je triche, c'est que même si je sais pas quoi leur dire, tu vois, j'ai mes questions qui sont prêtes, et ça permet d'esquiver le problème, de calmer un peu la fangirl qui est en moi, tu vois, de la tasser un peu, et puis après... Ouais, et puis ce qui est bien pour toi, c'est que ça te fait un moment avec eux. Ah bah oui. Et tu vois, et ça oui, c'est sympa, clairement. Alors que c'est vrai que juste... Parce que quelqu'un l'avantage c'est que moi après voilà. J'ai des adresses mail, j'ai des numéros, et là par exemple quand on va aller au Car France, je sais que je vais retrouver le locaux Smovekin, ça va être un bordel monstre. C'est comme je disais, l'avantage c'est que moi quand je vais à un concert, des fois les 40 premières minutes je passe mon temps à dire bonjour à tous les artistes. C'est un bonheur, tu vois. Donc voilà, oui. Merci à vous tous d'avoir aidé ce projet. Vous rendez pas compte de la vie de rêve que je vis grâce à vous. C'est assez cool, il y a beaucoup de taf, mais putain qu'est-ce que je kiffe. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat ou est-ce que je peux enchaîner? J'ai une dernière question, c'est toujours de Glenn qui demande. Et un fan ou non? Non, il y a pas si. Si vous deviez collaborer avec un jeu pour un original soundtrack, ça serait avec lequel? Waouh. C'est une bonne question. Vous êtes horrible dans le chat, mais oui! Ouais, c'est ça, faire la bande originale. C'est le petit geek de la bande. Vas-y, c'est bon. Hein, ça y est. Tu veux pas faire la BO de Star Citizen? Ah ouais? Oui! Faudrait-il que le jeu sorte un jour? On va se rendre compte que c'était une full arnaque ce truc un jour. Waouh! Moi j'aurais dit. Antoine Daniel le dit déjà. Un Doom, ça marche très bien. Un Doom pour le côté bourrin, ou alors le prochain Halo où vraiment on va sur la planète des extraterrestres, les exterminer jusqu'au bout. Récemment, il y a Helldiver 2. J'allais le dire. Merci. Moi je sais qu'il est pas fini, mais il me tente ce jeu. J'ai envie de mettre une grosse playlist métal bourrin dessus. T'es en mode. C'est un défouloir. J'avoue que moi, mon. Alors, c'était un kiff quand j'étais ado, mais c'est redevenu un peu. Voilà. C'est l'univers un peu Warhammer 40 000. Regarde le tableau là-bas, je te comprends pas du tout. et du coup, si jamais il y avait un jeu un peu. Non. Oui, non, mais. Bientôt, non. Oui, il y a Space Marine. Ouais. Le 2. Le 2. Ouais, j'avoue que ça te craint bien. Hein. J'avoue que. Vos titres bien bourrins sur Space Marine 2. Là. ouais, il y a la prod, je pense. Après, il y a d'autres jeux auxquels je pense, mais ça marcherait pas, quoi. Genre par exemple les styles genre Baldur's Gate, c'est le jeu que j'adore, ouais, mais du métal dessus, c'est mort. Non, ça passe, ah, il faut du contemplatif. Voilà, c'est ça. Il faut un truc où justement ça défouraille et c'est beau. Ouais, mais je t'aurais dit un StarCraft aussi, mais non, StarCraft faut un peu plus contemplatif. C'est plus posé quand même. Que pour la cinématique, ouais, par contre. Oui, StarCraft quand cœur, tu exploses la base ennemie. On n'a pas du tout de fans de jeux vidéo dans l'équipe, c'est pas pour ça que toute l'équipe se commence à streamer sur la chaîne secondaire. Pas du tout. Mais, effectivement, et bon, on est en voiture. Oui, t'es à la maison. Hein, ouais. du coup, je vais continuer avec une question un peu plus dans... que j'ai écrit. Une question qui va faire revenir un peu dans le temps, tu vois, quand tu parlais de ta jeunesse, on va faire un pont justement. Pour vous, comment le groupe a évolué avec le temps? Est-ce qu'il y a eu des époques un peu charnières? Des trucs où vous êtes dit, ouais, là, on a vraiment évolué. Je ne saurais pas trop dire. Je sais qu'on a pas mal progressé au niveau de la technique, au niveau de jouer ensemble, au niveau du groove, quand vraiment, sur une période de deux ans. Sans, mais qui se répète quand tu dis non, mais c'est alors non, pas du tout, c'est vraiment c'est hyper important en fait. C'est vraiment un des trucs les plus importants quand tu fais la musique, c'est vraiment essayer de groover ensemble. C'est plus un truc vraiment être tous les cinq, c'est hyper important en fait. Tu vois, genre, c'est, non, mais je te taquine. C'est même, non, mais tu vois, au-delà de ça, c'est même plus important que pas mal de choses, je trouve, dans un groupe. Mais je trouve qu'on a vraiment pas mal progressé quand on se tenait vraiment à deux répètes par semaine, toutes les semaines, pendant je sais pas, deux ans, un truc comme ça. Maintenant, c'est plus difficile. Mais c'était un truc. On a tourné à deux répètes. On a tourné ouais, à deux répètes. Ouais, mais pas sur les très longues périodes. Bah ouais, ça permet de trouver ta patte. Alors, tiens, un conseil pour les gens qui commenceraient la musique. Oui, si vous êtes vraiment motivé, deux répètes par semaine de 3 heures et vous y tenez. Et si vous faites de la musique toujours avec les mêmes personnes, ça, en fait, tu progresses hyper vite en fonctionnement comme ça. Nous, actuellement, on est sur un créneau de 3 heures par semaine. Ah putain, pas mal. Putain, bah, ça essaie de s'y tenir quand même. Mais ouais, c'est ça, c'est un peu genre la discipline de se dire
C'est comme quand tu te rends dans le sport, il faut une discipline et s'y tenir. Quoi. C'est compliqué, ouais, c'est mais au bout d'un moment, tu te rends compte que ça paye et t'es content. Parce que, et puis même, ça garde l'esprit éveillé dans le sens où on répète tellement que maintenant, les morceaux, bon, même si on est fatigué et qu'on les joue, on fera des erreurs, mais on va dire que le morceau, il arrive à aller jusqu'au bout. Il arrive à aller jusqu'au bout sans qu'il y ait un crash de « Allez, ça y est, on arrête et on est obligé de recommencer. » Ou ouais, tu vois, je pense qu'une des périodes charnières, c'est comme peut-être qu'Antoine, il est vraiment arrivé, qu'on a commencé vraiment à être tous les cinq. Quoi, oui. Après, je suis... Essaye de rougir un peu quand les caméras, je crois. T'y habitues pas. non, mais après, il y a d'autres périodes charnières. Hein. C'est genre, finalement, tu sais, tout l'enregistrement du premier EP aussi. Ouais, on s'est rendu compte de beaucoup de choses. Il nous arrive aussi des galères, des choses comme ça. Ouais. Et aussi, c'est quand on a traversé des galères aussi qu'on s'est dit, ah, c'est cool, on est... Après les galères, on s'est dit, tiens, c'est bien, on est arrivé au bout. Et donc, c'est ça, et c'est vrai qu'on s'est dit, ah ok, ça va pouvoir peut-être durer parce que justement on s'égorge pas dès qu'il y a un problème. Les galères, faut voir, c'est qu'il y a deux bonnes choses dans les galères. Voilà. C'est que t'as certaines galères, tu te dis, je les ai parce qu'on a commencé à percer. Mm-hmm. Notamment les arnaques, Glenn en a parlé dans le chat, mais oui, dites douille, voilà. C'est qu'au bout d'un moment, t'as certaines galères qui arrivent, c'est parce que t'as commencé à percer et que des gens s'intéressent à toi. Et t'as des galères aussi, quand t'as fini par les traverser, bah, tu te rends compte que les prochaines, tu vas les prendre. Alors par-dessus la jambe. En mode, ça peut pas être pire que ce qu'on a vécu, et qu'au bout d'un moment, t'arrives en concert, il manque ci, il manque ça, tu vois, oh, t'inquiète, c'est pas grave. Ouais, ça permet de forger et d'arriver un peu plus équipé. Ouais, ça décomplexe aussi un peu, quoi. C'est qu'on se dit, vas-y, on va pouvoir quand même assurer, même s'il y a ça. C'est t'arrives à un stade où tu dis, il y a que ça. C'est vraiment là, il y a que ça quand on m'embrouille. Ça va. Ouais, ça va. Tu relativises, quoi. C'est, ouais, quand tu commences à bosser comme ça, et alors, déjà en solo, c'est important. Ça prouve que t'as du vécu, que t'as géré et que t'as appris en fait de tes erreurs. Mais quand tu commences à parler comme ça en équipe et que toi t'es en mode oh ça va aller, puis derrière t'as oui on peut faire ça comme ça ou comme ça, tu ouais non ça va, t'as un équipage prêt à tout affronter. Non, ça, mais c'est après, ouais, charnière, je pense que vraiment l'EP c'est là qu'on s'est dit après ouais, l'EP ça fonctionne quand même. Ça fonctionne. Parce qu'en fait sur le premier EP on s'est retrouvé une semaine et demie à être vraiment les uns sur les autres. Oui, puis même le ta vie sexuelle ne regarde pas. Non, moi j'étais isolé, j'étais isolé avec quelqu'un d'autre. J'avais mon petit marais, ouais. Mais en fait, on s'est pas entretués à ce moment-là. Quoi. Non, c'est pas insupporté les uns les autres. Moi, tu vois, là où j'en suis, allé, le truc dont je suis quand même, bon, je n'irais pas jusqu'à dire fier, mais c'est les deux CD qu'on a sortis. Les deux fois, on était un peu en bootcamp les uns sur les autres, voilà. Et tout s'est toujours très bien passé. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu de non plus, genre quelqu'un qui se dit vas-y, je me barre, et puis qui revient pas pendant 3 jours. Ouais, c'est à ce moment-là, tu vois, qu'on se dit, ben en fait, ça fonctionne bien. Ça fonctionne, on arrive à se parler. Mais en même temps, c'est un bon test, hein, parce que être en groupe, avoir un groupe, c'est avoir une deuxième famille, un deuxième couple. Ouais, ouais. Si l'humain fonctionne pas, la musique, elle va être défaillante. Enfin, il va y avoir un truc qui. Ouais, c'est ça. Ah bah, regardez tous les vieux groupes où, je ne vais pas dénoncer Slash, mais. Quand il s'est barré d'un groupe et qu'il est revenu, ça marche moins bien. Pourquoi ? Pas parce que humainement, il s'entend plus. Hein. Voilà. Même le très bon documentaire dont j'ai oublié le nom sur l'album de Metallica. Ah ouais, sur Soundgarden. Ouais, ouais, ouais. Trop bien ça. D'ailleurs, ce qui était pas prévu dans ce truc, hein, c'est qu'à la base, ça devait être un truc pour les mettre en glorification. Que la dépression est arrivée au milieu de ce truc, ils ont continué à filmer. Et en fait, bah oui, tu te rends compte que quand l'humain est plus là. Ah ouais, c'est ça. C'est un super doc. Hein. Que t'aimes le métal et Metallica ou pas du tout, c'est vraiment super intéressant. Ouais. Comme mais c'est la preuve que, genre, ok, ils ont sorti un album qui, bon, peu importe comment on l'apprécie, mais au moins ça a été la pierre de vas-y, on peut continuer. Ouais, et je pense qu'en vrai, sans cet album, peut-être qu'ils auraient pas continué. Ouais. Effectivement. Est-ce qu'on a des questions dans le chat ou est-ce qu'on ferait une pause musicale ? Alors j'ai toujours. Vas-y, dis. La pause est prête, il faut. D'accord. Bon, écoute, une petite question et puis on fait la pause musicale. Alors, j'ai Glenda qui vous demande une musique non-metal que vous aimez et que vous avez le plus écouté. Oh. Je dirais Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers. Ouais. C'est presque c'est... Metal. Ouais. C'est cool. T'es pas loin. Non, mais je garde à l'écoute. moi, si je prends très récemment, je pense que c'est très récemment que j'ai découvert ça parce que j'ai été dans une sorte de bulle où c'était pas que je voulais pas, mais c'est juste que j'étais un peu imperméable au rap, par exemple. Ouais. Et par exemple, moi j'avais écouté il y a pas si longtemps que ça L'odeur de l'essence de Orelsan. Elle est monstrueuse. Et j'ai adoré. Non, moi j'ai adoré et franchement, tu vois, pendant un moment, je l'écoutais vraiment tout seul, plusieurs fois. Tu sais que j'ai un problème avec ce clip.
c'est tellement bon que j'ai envie de m'acheter les mêmes écrans qu'il y a derrière ouais, pour faire une émission ouais, radio. Tu sais, t'en mets deux en art de cercle et on met trois canapés et on fait l'émission au milieu. Mais ça va me coûter une blinde. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui est trop bien par rapport à ce qu'on écoute d'habitude. Si Sony nous écoute, ouais, carrément. Non, je sais pas où je les mets là tout de suite. Ce qui est trop bien par rapport au métal où c'est souvent anglophone, voire autre chose, c'est que là, du coup, vu que t'as vraiment la compréhension première des paroles, sans l'avoir écouté plein de fois, ou d'un moment tu connais. Mais là, du coup, t'as la première écoute, t'as toutes les infos qui te parviennent, le sujet, les choses et comme puis ça. Même, et puis même, il a réussi, entre guillemets, dans son clip à mettre un clip, parce que les écrans, voilà, ça fait pas partie du clip, mais c'est comme ça. Et il a réussi à mettre les images au rythme de sa voix. Bref, l'instru est génial. Donc ouais, donc franchement, l'odeur de l'essence, moi, de Orelsan, ça m'a vraiment retourné. Typiquement, tu sens que c'est le genre de chanson, de clip qui ont été tournés à la seconde près, où ils ont été chercher le truc, parce qu'ils voulaient pas se louper sur cette chanson. Ouais, c'est en mode, j'ai vraiment un coup de gueule à passer, vas-y, faut que ça passe. C'est ça, ouais. T'as l'impression qu'ils ont fait tout d'une traite, ils ont enregistré, et qu'après, hop, là, on va tourner. Ouais, ça, non, mais voilà, c'est un bijou. Et puis en plus, ils sont tous déter dedans. Donc, ouais. Parfait, je valide. Bah, tu ce que tu veux. Non, après, si je t'ai un train assuré, j'en ai rien à faire. Ouais, mais dans le même style d'Orelsan, il y a une chanson où il explique que la dépression va passer. Et celle-là, je l'aime beaucoup. Et quand j'ai un pote qui va pas bien, c'est une chanson que je lui envoie en disant écoute bien les paroles parce que. Mais il a vraiment cette puissance-là, je trouve, d'arriver. Ces chansons un peu plus. C'est marrant parce que ces chansons un peu plus cool, enfin un peu plus. Comment dire. Moins rapide. Légère. Ouais. J'accroche moi. Mais pourtant, les trucs qui vont vraiment deep. Bah, il met toujours des titres bien radio pour continuer à exister dans les radios. Normal. Mais que tu prends ces seconds titres, ces machins, tu fais ouais. C'est ça. Des fois, tu trouves dans l'album, tu fais une petite ligne, tu fais attends, c'est marrant, celle-là, elle n'a pas beaucoup d'écoute. Et tu fais ah, elle est bien partout. Ah, j'ai le même exemple avec le groupe Mano qui était connu que pour des chansons très radio. Par contre, quand tu écoutais les pistes B, qui sont moins connues, en vrai, il y avait de la frappe. Il y avait de la grosse frappe et c'était pas du tout le Mano que tu entendais en radio. Donc, à redécouvrir, mais ouais, très bonne chose. Pour toi là-bas. Moi j'ai commencé à écouter la musique avec des trucs vraiment classiques de fou, mais en vrai, moi les Beatles, totalement. J'ai voulu t'aller me sortir un Schubert. Pas du tout. Non, dans le rock, tu vois, mais ouais, les Beatles, carrément. Ouais, deuxième partie de Beatles, la période plus prog, vers la fin, quoi. Ce truc-là, j'ai écouté en boucle quand j'étais gosse, et puis je trouve ça toujours aussi incroyable, quoi. Typiquement, tu vois, les Beatles, on parlait de la musique pour passer l'espi, franchement, ça passe. Ouais. Tu retournes ton appart sur les Beatles, c'est cool. Hein, mais ouais, je trouve que c'est un groupe qui est incroyable. Enfin, c'est très plan-plan de dire ça, quoi, mais c'est le cas. Quoi. Ça et Trio aussi. Ça et Trio, ouais. J'adore Trio. Ouais, l'une de nos campagnes, j'adore Trio. À fond. parce que maintenant. Ah bon, ils habitent où, hein, enfin, explique-toi. Ouais, c'est la campagne. L'air de nos campagnes, surtout là. Alors, on ne va pas être méchant tout de suite. La régie, est-ce que vous nous avez préparé deux titres pour qu'on fasse une petite pause, qu'on va de souffler, qu'on permette au chat de profiter un peu de musique quand même. Alors, l'été, je te connais ici. Ouais, et Rituel. Okay. Alors, okay, Rituel et l'été, c'est quoi les. Vous en avez. Ouais, l'été, je ne savais plus, ça vient vraiment du. L'été, c'est des mythologies grecques. Ouais, je sais, mais ça vient vraiment du studio, je crois, on l'a vraiment trouvé. On a vraiment changé de nom pendant le studio. Ouais. Non, là, deux semaines avant. Deux semaines avant, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Bon, Alifi a vraiment été terminé. En fait, c'est des très vieux riffs qui datent de quasiment le début du groupe. Mais en fait, on a remanié le morceau, genre deux semaines avant le studio, parce que ça fonctionnait pas, l'énergie n'était pas folle à des moments. Et du coup, on a refait des riffs quelques semaines avant de rentrer en studio. Et du coup, la version qui est sur l'album, elle est toute fraîche en presque fait. Presque pareil pour Rituals. Rituals, non. On l'avait bossé avant, mais c'est pareil, ça date de quasiment. Ouais, il faut dire que Rituals, ça date du premier EP. Ouais, c'est ça. Du coup, là, on fait la petite pause musicale typée recyclage. Voilà. Ouais, c'est ça. On est propre jusqu'au bout parce qu'on recycle nos titres, tout va bien. Du coup, on va faire cette petite pause musicale recyclage. N'hésitez pas à leur envoyer un compliment ou une critique constructive dans le chat. Ils vous verront en direct. Préparez vos questions, nous on revient juste après, enfin profitez-en aussi pour remplir les auges et les verres, c'est fait pour ça. Ciao, à tout de suite. Special.
Vous êtes de retour sur Twitch et ce soir on a un invité spécial puisqu'on a invité Daredevil juste pour vous ce soir. Du coup, vous pouvez le voir sur Twitch, vous ne l'entendrez pas, vous ne ferez que l'entendre sur Rock en Folie. On est désolé, mais le cosplay est magnifique. Je veux un selfie de mon héros préféré Hanok avant la fin de cette émission. C'est je sais pas les coups. Mais vraiment en plus ça le fait, ça crevait de rire. Je fais comme à Disney, tu sais, je parle pas et je peux. Voilà, alors Daredevil il peut parler, c'est juste qu'il voit pas la vie. Enfin, il voit pas. Il a ses super pouvoirs. En tout cas, on est de retour sur Fréquence Métal avec Daredevil en guest. C'est parfait. Petite chose, on va faire un petit rappel. Mais prochainement, vous pourrez nous voir sur quelque chose de très cool parce qu'on l'a annoncé. Nous allons filmer tout le Hardcore Care Fest qui fête. Donc, c'est Hardcore Care France qui fête ses 10 ans. Ils ont fait un gros festival. On en a parlé en début d'émission. Si tu l'as loupé, n'hésite pas à voir la rediff. Ou tape point d'exclamation Hardcore. Pour avoir tout le lien, il y a cette caméra à rebooter frangin. du coup, non, voilà. C'est bon. Okay. Du coup, on sera sur l'événement, vous pourrez nous rencontrer et tout et tout. Mais c'est un événement ultra caritatif pour aider des chenilles, des chiens, des chats. C'est assez cool d'être avec eux ce soir. C'est très cool qu'ils nous aient invités pour faire la vidéo. Je trouve que c'est un putain de compliment pour faire qu'on se mette en vrai. Du coup, voilà, si vous voulez nous rencontrer, prochaine date, c'est sûr, en avril, on sera là-bas. Du coup, on va reprendre un peu les questions. Ah, je voudrais aussi remercier tout le chat parce que, en vrai, vous leur avez envoyé des compliments de fou furieux. Merci beaucoup, merci vraiment plaisir. C'est déjà un, voir autant de monde ce soir dans le chat et être connecté, ça fait plaisir. Mais quand on arrive à vous décoter un groupe qui est où les compliments sont aussi unanimes, voilà, ça fait plaisir. On les a. Vous n'êtes pas déplacé de Rouen pour rien. Malgré ton handicap, tu as bien fait. Surtout que c'est lui qui conduit. Ouais, c'est lui qui déguisé. Voilà, en vrai. J'ai toujours rêvé de faire la blague à un contrôle de police, que ce soit moi qui aille au volant avec ma canne blanche. Je vais comprendre si je me fais arracher la gueule, parce que la canne est à moi, les loulous, mais voilà. Du coup, on va enchaîner deux questionnaires. Je vais faire un petit questionnaire débile, et ensuite on va enchaîner avec la petite douille, parce que il est déjà 22h. Ça passe vite. On va attaquer avec la phrase qu'il ne faut pas dire. Vous êtes prêts? On commence avec toi là-bas parce que tu hésites. Quoi, moi, c'est pas possible. Oui, mais ça sera le temps de respirer, de réfléchir. Non, mais non, vas-y, commence toi. Un truc à ne jamais te dire en concert. À me dire en concert. Jamais dire en concert. Une phrase que faut sûr pas. Moi, je l'ai direct. Moi, en fait, ça part toujours dans le bon sentiment. Mais les gens, tu sais, quand tu ranges ton matos, parce qu'il y a un groupe derrière, tu sais, t'es en train de tout ranger, qui viennent te taper la discute direct en mode j'aime bien tes pédales, ton effet, machin, mais c'est super après. Gentil. Mais juste après, parce que en fait, là, je suis dans un rush de fou et ils se rendent pas compte parce qu'ils sont vraiment super sympas et tout, en mode c'est trop bien ce que vous faites, machin. Et tu peux pas leur parler et tu peux pas être en leur disant attends, on parlera après parce que ça paraît. Alors, moi, j'ai trouvé une technique, c'est que je leur file la carte fréquence fatale, je leur dis on se retrouve au bar. Ouais, oui, par exemple. Donc après, c'est cool. Mais oui, effectivement, t'es dans le rush. Ouais. C'est un peu comme nous quand on va démonter tout le plateau télé, vous pouvez rester sur le canapé. Mais pendant 5 minutes, le temps qu'on démonte tout pour pouvoir faire la fin, c'est juste décalez-vous, soyez pas dans les pas parce que ça va convenir. C'est ça, exactement. C'est logique, c'est normal. Mais je comprends, bonne phrase. Pour toi. C'est pas une phrase, c'est deux mots différents. Alors, je vais utiliser les mêmes superlatifs qu'Arthur, mais alors, ça fait toujours plaisir, machin, etc. On sent qu'il ne le pense pas du tout. Non, mais si, vraiment, on le pense. Non, mais c'est vrai qu'en fait, le sujet un peu de drôlerie dans le groupe, ça nous fait marrer, c'est vraiment quand il y a les apéros et à poil. Ah ça ouais, nous, ça nous fait marrer. Ouais, en fait, ça nous fait marrer, mais c'est vrai que quand t'es en concert, tu te concentres, que tu viens de vers un moment parce que du coup t'étais dans le show, etc. Et t'entends waouh, ouais. Poil ou apéro. Tu fais, c'était pas trop le mood. Je vais être plus méchant que toi, mais pour moi c'est comme la blague de la pute et de la pizza de ton oncle bourré au bout de table. Moi ouais, c'est un peu ça. Ouais, au bout d'un moment, tu la commandes sur champignon, voilà. Mais au bout d'un moment, t'étais là en mode ouais, c'est beau, faut passer à autre chose. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu les trop. Parce que des fois, tu regardes des lives d'il y a genre 15-20 ans, c'était déjà ça. Et oui, tu fais vous avez pas eu d'évolution. Mais surtout, des fois, moi j'étais allé voir un groupe de black metal, c'est du post-black, un truc qui était vraiment genre ambiant, un peu introspection, tout ça. C'est ça, voilà. Et bien, t'as toujours le mec en mode Satan entre les morceaux et c'est l'enfer, tu vois, mais ta gueule, toi, t'es juste métal, donc Satan et blast beat. En fait, t'as le droit de démontrer que t'as aimé, que t'es enthousiaste, etc. Mais bon, ces mots-là, on a l'air de gros rabat-joie comme ça. Ça fait très rabat-joie, et désolé, on est au teint. Pour avoir reçu quelques groupes de Black Hat Death, en vrai, non, dans la vraie vie, c'était cool, on a bouffé et picolé comme des trous, et c'était très drôle pendant l'émission. Ouais, bien sûr, ouais. Mais on a tué personne, on a dit gorgé aucun problème. Non, c'est ça, mais en plus c'est ça, souvent l'envers du décor, c'est que souvent les groupes sont
Ah, c'est inverse opposé. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas enfin, en tout cas ça fait pas plaisir d'entendre ça, mais ça nous laisse plutôt indifférent et c'est vrai que bon, ça peut être agaçant si c'est drôle. Il y a d'autres manières de les troller. C'est ça. Si vous nous trollez, trouvez des manières créatives. En vrai, si ça vous avez été dans le chat, t'aurais qu'à dire Punky Tobez. Au moins, ils seront là. Dans les mais en vrai, je Daredevil, sortez Daredevil. Daredevil. En vrai, si vous avez vu ce live, sortez Daredevil, ça nous fera. Prochaine question, tu l'entends Daredevil. Ça nous fera pas ça. C'est incroyable. Ou alors Luigi. Luigi, ça me fera rire aussi. Luigi, ça me fera rire. Je pense que Luigi, ça me fera rire. Allez, on a trouvé les prochains deux pour fâcher. Pour toi, du coup. Pour moi, je vais changer un petit peu. Moi, alors, sur scène, je suis à côté d'Arthur, sur le plan de... Pas de bol, déjà. Déjà, ouais, c'est compliqué chiant à vivre. Mmh, ouais. Mais surtout, quand on joue dans des petites salles et qu'on a un retour pour deux, ouais, et que cet enfoiré, il demande plus de guitare dans le retour. Ouais, ouais. Je joue de la basse, hein. Il a pas besoin de l'entendre, sa basse, il la ressent parce que le basse, il est derrière lui, il n'y a pas de problème. Arrête de trop désespérer. Il y a de la grosse caisse, il y a de la... Non, pas les choses. Effectivement. Plus de guitare, non, voilà. Si. Pour toi, un truc à jamais dire au cinéma. J'en ai une qui est facile. Oui. Attends, je te prends vite fait, mais parce que après, faut que je regarde le film. Ouais. Moi, je mets une claque. T'as déjà été témoin de ça? Ouais. Mais généralement, je me lève et la personne se sent concernée et arrête tout de suite. Ouais. Mon physique fait que ça calme la personne et le coup de fil se coupe. Mais ouais. Je l'ai déjà vu pendant les deux tours du Seigneur des Anneaux. Le mec était entouré de mecs déguisés en Gimli et en elfe, et tu dis, il a osé faire ça. À tout moment, tu vas te faire hacher vivant, mais... ouais, non, mais sinon... Je veux pas dire au ciné... Je l'ai déjà vu, et à la fin, il meurt. Non, oui. Non, ouais. Ah merde, j'ai déjà vu, à la fin, il meurt, tu te fais démonter, quoi. Ah merde, c'est vrai que j'avais déjà vu ce film, à la fin, il meurt. Et puis, il s'en va. Et puis, il part. Non, c'est ça. Si vous avez des idées dans le chat, faites péter, hein. Je sais pas. Est-ce que tu veux un troisième saut de popcorn? Non, je sais pas, oui, il y en a pas mal, mais... En fait, juste entendre les gens parler au cinéma. On a un exemple dans le chat, Glenn qui dit t'es le genre de personne à chuchoter au cinéma. Mais comment j'aurais envie de te frapper? Ouais. Je t'enfonce dans le strapontin, tu es le strapontin à la fin, quoi. C'est non, faut pas. Ah, sinon, j'aurais pas dû manger un casse-plat ce midi. Ah ouais, ouais, ouais. Mais ça n'importe où. Ouais, dans le cinéma, ça fait mal. Ça dépend de la taille du cinéma et s'il est ventilé, mais ça peut être un problème. C'est ça. Ouais. On va poser les questions à la volée vu qu'on répond à 4 en ce moment. Un truc à jamais dire à ton banquier. Je suis intermittent du spectacle. Ouais, pas mal. Moi, en ce moment, moi, ces derniers temps, quand je parlais de fréquence métal au banquier, c'était... Alors, j'ai une idée à la con. Mais pas trop. Bon, comme ça, gros trou dans le budget. Il est bien quand t'es confiant, ton banquier, sinon... Non, il m'insulte à chaque fois, mais... il a vu que finalement, ça valait le coup d'investir parce que le truc a grimpé et que... Dernier truc que j'ai négocié, je lui ai trouvé deux places pour un butane, donc il m'a foutu la paix. Oh, mais j'ai un idée à la con, ça voulait dire gros trou dans le budget, il était pas d'accord à chaque fois. Vous êtes chômeur professionnel, calmez-vous. Chercheur, on dit. Non, bon, non, bon stade, c'est fini. Avec mon handicap, je pourrais plus jamais bosser de ma vie en vrai. Donc il a son Master 2, là, c'est bon. Ouais, c'est vrai. J'ai une 1100. Il est trop qualifié, moi. Ouais, exactement. Je ne suis plus chercheur, je suis maître d'art. Du coup, une base. Waouh, bah déjà, moi, je fuis un peu les banquiers. Donc, une phrase à dire au banquier, c'est. Et aussi, tu fuis. Enfin, en tout cas, moi, mon banquier, c'est quand je lui dis à la prochaine, c'est, il sait qu'il me reverra dans 4-5 ans. Donc, non, je sais pas, j'avoue que j'ai pas assez d'expérience avec banquier pour savoir ce qu'il faut pas dire. Je sais pas, je saurais pas dire. Je suis étudiant. C'est ça. Je suis étudiant, mais je joue de la musique. Je travaille avec des étudiants. Non, mais ouais, il est joli cet instrument quand même. Hein. Ouais, c'est un peu lui dans la cour aussi. Ouais, un peu cher, mais elle est cool cette guitare. D'après vous, est-ce que j'ai assez sur mon compte pour louer un van, partir en Pologne et... Non. Alors, question. Non. Dans le cas exemplaire que jamais je. Non, arrête, je sais que c'est non direct. Effectivement. Dernière question, un truc à ne jamais dire à ton ou ta partenaire. Le repas avec tes parents, on est vraiment obligé. Ta mère, elle fait mieux. Oh. Alors ça, c'est vrai que c'est jamais à dire. Je sais même pas à quoi tu pensais, mais c'est dégueulasse, quoi. C'est bon, il fait une embrouille direct. Pas grave.
Non, bah c'est vrai que je pense que le t'inquiète, je gère, c'est que. Ouais, non. T'inquiète, je gère. Ouais. Mention toutes ces situations. T'inquiète, je m'en occupe. Elle se dit, non, ça va pas être fait. T'inquiète, je gère, mention quand t'es bourré, parce que ça veut dire que dans les deux secondes, tu vomis tout ce que t'as dans l'estomac. Non, c'est ça. Non, en vrai, c'est vrai que moi, quand je le dis, je m'en occupe, je vois une pointe de... Oui, c'est ça, genre, tu t'en occupes, ouais. Tout de suite, ça chérie. Et je sais que, par contre, maintenant, je sais qu'il faut que je m'en occupe. Elle fait en sorte que je m'en occupe. Mais non, c'est vrai que je m'en occupe, je pense que ça l'effraie un peu maintenant. Je comprends. Tu connais Gutalax ? Non. Bah voilà, c'est la phrase que j'ai pas dire. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je peux l'arrêter, mais j'irai voir. Gutalax, ouais. Si quelqu'un l'arrête dans le chat, expliquez-nous, ça l'a reçu. C'est un groupe de musique. Ouais, c'est un groupe de grindcore. C'est génial. Ah, ça serait. Putain, ça me rappelle aussi machin avec la chanson. Ta gueule, ta gueule, je retrouverai. J'avoue que je parle très peu avec ma main droite, donc... je t'ai déjà parlé par ma gauche. Voilà, tu l'as ta phrase. Non, bah après, c'était partenaire, ça peut être aussi un sens, une phrase à pas leur dire, tu vois. Non, comme ça, j'ai rien qui me vient, je vais être honnête. C'est une bonne phrase, hein, j'ai rien qui me vient. J'ai rien qui me vient. Ouais. C'est un peu une insulte aussi pour ta conscience. C'est un peu plaisant, ouais. Tu regardes ta partenaire, j'ai rien qui me vient. Oh, fou. Ah, d'accord. Allez, suivant. Est-ce qu'on en avait dans le chat? Il y a un truc de Golden Axel Rose. Je vais pas le lire. Je vous laisse le lire. Alors, il y en a deux, mais je vais pas le lire. Lis les autres parce que du coup je suis en train de la chercher. Je la vois. Glenn qui dit ne jamais dire à ta meuf, fais-moi confiance. Ouais, pas mal. Et oh, Steph qui dit si je critique Harry Potter, je suis dans la merde. Ouais, il y a des choses à critiquer dans Harry Potter. Calme-toi, surtout. Alors qu'en vrai, Harry Potter, bon, c'est juste Star Wars, mais ils ont remplacé les sables par des baguettes magiques. voilà, je t'ai foutu dans la merde pour le week-end. Je déconne, ne me tapez pas, c'était pour rire. J'ai une régie qui a envie de me fumer là, tout va bien. Et ça, c'est un clip, c'est ça. Non, c'est juste, je suis mort là. Tu peux récupérer la canne de l'enchaînement, j'en ai plus besoin. D'accord, c'est bon. Vous me les yeux. Non, mais j'en connais un qui va aller dans le 93 à pied demain. Non, heureusement, il y a des taxis, tout va bien, ça. J'ai coûte très cher cette connerie, mais oui. On fait quoi des messages un peu explicites dans le chat? Ça dépend s'ils sont graves ou violents. S'ils sont pas si graves, ça va. Ah, oh, ceux de Zello, c'est compagnie. Ouais, les blues, ça va, pour l'instant ça va. Allez-y, bonjour quand même. On a Ben de Twitch qui pourrait râler, mais pour l'instant ça va. Ça va, ça va. Tant que c'est pas des sujets vraiment très dangereux, si c'est un mot ou deux, ça peut aller. Si ça insulte personne, ça va. Mais effectivement, on doit faire gaffe parce que depuis qu'on a passé les 1K, ce qui est cool, on aura en 5 ans sur Twitch, je pense, surtout avec un projet aussi bancal que le nôtre. On a un Ben de Twitch qui vient surveiller et du coup, on doit faire un peu de. Pas dire ça, mais on doit jouer un peu les flics. Sur le chat, sur ce qu'il dit et tout, parce que sur une connerie, c'est des fois la chaîne qui peut être bannie pendant une semaine, deux semaines. C'est pire en pire, Twitch. Oui, puis on a bien vu que tu peux te faire bannir pour rien. Mais Ben, on n'est pas d'accord avec tout ce qui s'est dit dans le chat. Enfin, on est d'accord, mais bon, ils ont du mal en vocabulaire tout maintenant. Non, c'est pas si grave, ça va. On va passer à une question importante qui s'appelle la dildouille. Alors, pour les nouveaux dans le chat, l'idée elle est simple, c'est que quand tu commences dans le monde de la musique, on va te dire que tout est beau, tout est merveilleux. C'est les copains, c'est les bières, il y a des licornes, ouah, c'est magique, c'est faux, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'investissement, des fois sans retour. On ne compte plus le nombre d'arnaques qui existent comme dans la vraie vie, hein, parce qu'il y en a partout. Et aussi, des fois, c'est aussi des problèmes, des goûts et des gens qui vont te poignarder gratuitement parce qu'ils sont juste jaloux que tu aies fait quelque chose qu'ils auraient aimé faire. Bref, il y a tout un tas de problèmes. Et du coup, ce soir, je vais vous demander, comme à tous les groupes, de nous raconter une arnaque que vous avez subie, une arnaque que vous avez pu vous faire vous-même. Ou un grand acte manqué, genre vous avez loupé le concert de votre vie. Voilà. On va prendre ce petit moment sur un montage. On va le rajouter à 3 autres dildouilles. Et on va vous mettre en compétition sur YouTube. Et celui qui aura le plus de votes, et donc celui qui sera le plus grand loser finalement, gagnera cette petite statuette. Voilà, parce que ça représente bien ce que tu vis dans la vie. Hein, je sais. Voilà. Mais parce qu'on s'est dit que c'est une manière de vous soutenir même dans les moments des plus grandes détresses. Voilà, c'est notre façon à nous de vous souvenir même dans le pire. Est-ce que vous avez une dildouille à nous raconter ce soir? Le studio, du coup, le premier. Ouais. Le premier, vous pensez ouais. Ah bah je vous laisse commencer, je corroborerai parce que je vois pas comment aborder le truc. Il y a des groupes qui ont eu pire. Oui, il y a des groupes qui ont eu pire. Oh oui, non, bah, tout, voilà, mais non, on a toujours eu des groupes pires. Hein. Enregistrement du premier EP, c'était une semaine et demie en campagne dans un studio, c'était cool et tout, mais on faisait ça en autoprod total. Genre vraiment avec quelqu'un qui était venu nous dans un ingé son qui était venu nous enregistrer tout ça.
Et du coup, on a enregistré toutes les grattes et toute la batterie. Ouais. Et toute la basse, on a fait toutes les prises instrumentales. Et normalement, c'était un mec, Gwen, qui a fait notre premier album, qui devait prendre tout, mixer, masteriser ensuite toutes les pistes qu'on avait enregistrées. Et du coup, il n'y avait rien qui était exploitable. Parce que la batterie n'était pas exploitable parce qu'en fait les micros étaient mal placés, donc il y avait du re-re et de la repiste absolument partout. Non, c'est, putain, c'est pas qu'ils n'étaient pas bien placés, c'est que je sais pas si j'avais bien accordé ma caisse claire. C'était ça. La peau de ma caisse claire. Mais il a dit qu'il y avait du re-re, mais il y avait non, mais. Valentin, il t'a donné quelques petits conseils. Il m'a donné quelques conseils. Ah oui, oui, c'est vrai. Et je pense que je les ai pas. Ah, donc il y avait un peu de mauvaise foi dedans en plus. Non, on t'a pas dit. Ouais, mais ça va. Et du coup. Une caisse claire. Et du coup, Gwen nous a dit, bah en fait, la batterie. Mais c'était le même problème. Mais du coup, il nous a dit, bah la batterie là, elle est pas exploitable, faut tout refaire. Nous, on était là, bah on est sortis du studio. Ouais, c'est trop tard. Et la, batterie, la guitare, pareil, vous a dit, ah bah la guitare, pareil, le son que vous avez pris de l'ampli. Et surtout que quand tu reçois les pistes, encore une fois, on va souvent on tacle les batteurs et les bassistes, mais c'est ce qui donne le rythme. Ouais. Si t'as pas le rythme de base, tu peux pas caler les guitares. Du coup, bah, vu que c'est un chef, il a réussi à gérer, il a vu qu'on avait les DI de gratte et les DI de basse, il a réussi à bah, faire avec des simus de gratte, il a réussi à tout sauver, à faire un son enculé quand même pour le truc qu'on avait fourni à la base. Et voilà quoi, il a sauvé les meubles, tu l'as sauvé les meubles. Ouais, mais, méfiez-vous des ingestions. Mais en fait non, pour contextualiser un petit peu, du coup on est parti en une semaine et demie en studio. Et en fait on avait avec nous quelqu'un qui nous accompagnait un peu en tant qu'ingestion, quelqu'un qui allait s'occuper un peu de la prod de notre album sur place. C'est-à-dire prendre les prises son, enfin nous aider à prendre les prises son, les choses comme ça. Et c'était quelqu'un de notre entourage. Alors, moi je tiens à dire, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas d'animosité, ah ouais, en fait, c'est juste que je pense qu'il pourrait avoir le recul de le reconnaître aujourd'hui, c'est que voilà, il n'a pas géré, mais c'est pas grave. Voilà, ça arrive, mais en fait, c'est juste qu'il nous avait dit, ouais, c'est bon, ça gère, et en fait, bah, ça ne gérait pas. Mais bon, on y est vraiment allé en mode, ouais, c'est bon. En fait, ouais, quand on lui a demandé, il nous a dit, oui, vous inquiétez pas, ça je sais faire. Voilà, la phrase à pas dire à ta meuf, quoi. Et t'inquiète, t'inquiète, je sais faire, gâteau. Et du coup, en fait, le truc, c'est que ça s'est fait en plus par étapes. C'est-à-dire que je me souviens, on fait la première journée de batterie qui est assez horrible parce que c'est la première journée où j'enregistre de ma vie aussi. Donc forcément, bah, c'est le stress, c'est les choses comme ça qui font que bah, c'est dur de sortir les parties propres, c'est dur de machin. Donc au bout d'une journée quand même, on arrive à sortir, on envoie à Gwen, et Gwen nous dit, c'est mort, n'utilisez pas ça. Ok, bon, ah ouais, ça s'est passé comme ça. Oui. Non, c'est en plusieurs étapes. Hein. Ah, ouais, c'est ouais, ça, c'est ça. Donc là, on se dit, bon, bah, il y a tout à refaire en soi. Donc la première journée n'a servi à rien. Donc on entame la deuxième journée, et etc. Et puis en fait, journée d'enregistrement, c'est long, on commence le matin, enfin nous on commençait le matin, ouais. Et on finissait jusqu'à tard des fois, 19h. Ça tournait aussi, quoi. Voilà. Une journée à répéter les mêmes sons, les 8 mêmes sons. Et du coup, on arrive à la fin de la deuxième journée, on nous dit, bon, c'est pas mort, mais c'est clairement pas idéal. Et là on joue, putain, on vient de perdre quasiment, enfin voilà. Mais on se dit, bon, si Gwen nous dit que c'est exploitable, c'est un gars qui a quand même un palmarès. Enfin, surtout qu'il met un palmarès. En enregistrement, t'as un planning hyper serré, quoi. Voilà, chaque journée est dédiée à un truc et à un certain nombre de morceaux pour la batterie. Chaque journée coûte cher. Donc en plus de ça, en plus du fait qu'on avait perdu une journée sûre et une journée où au moins c'était pas ouf ce qu'on avait fait, je me dis, putain, il me reste plus que je crois, deux jours. Ouais, après, deux jours pour enregistrer tout le reste. J'avais quoi? J'avais encore quatre morceaux à enregistrer, un truc comme ça. Il me semble qu'on en avait fait qu'un sur les premiers jours. Ouais, je crois que c'est un truc. Donc je me dis, bon, ok, il me reste 4 morceaux en 2 jours, sachant qu'on a passé 2 jours à en faire un, et que c'était pas. Voilà. Donc, mais en fait, ah oui, si j'ai à préciser, c'est que c'était pas enregistrable niveau technique. Ouais. C'était pas. Les prises en soi que j'ai fait étaient bonnes, même si pas toujours excellentes, je peux le reconnaître. Mais moi, elles étaient bonnes, elles étaient exploitables au niveau son, mais pas au niveau technique. Techniquement, genre, il y a des choses qui. Oui, il manquait un micro, il manquait un câble, c'est ça qui faisait crrr dans le fond. Et donc, du coup, voilà, en fait, c'est ce qui nous a valu des bons moments de stress, des choses comme ça, ce qui fait que pour l'EP, on va dire que c'est toutes mes idées, toute ma compo, mais c'est pas moi qui joue sur l'EP. Et ça, on l'a longtemps caché, parce que bah, c'est pas très. Surtout quand tu commences dans la musique, t'as un peu la pression de te dire, ouais, il faut que. Bah, c'est... Et puis surtout, en plus, même pour moi, je me disais, merde, je suis le seul qui. C'est pas mon son en soi. Non, puis au-delà de ça, pour résumer, en vrai, une journée d'enregistrement, c'est un investissement de temps, c'est un investissement d'argent pour le groupe, et c'est surtout, c'est un investissement où tu attends le retour, parce que quand tu veux sortir de là, tu veux ta galette. Tu veux te dire, ça y est, tout ce qu'on a fait dans notre vie, tout ce qu'on a composé, ça existe. Ouais. Si tu sors de là et qu'on te dit, bah non, c'est mort, toutes les pistes sont dead,
ça veut dire que déjà, tout ton investissement, il part aux chiottes. Mm. Et que de deux, même des fois, pour reprendre rendez-vous dans ces trucs d'enregistrement, c'est une galère parce qu'ils sont pleins, des fois, ouais, sur un ou deux ans. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, quand repousser ta galette sur deux ans, c'est quand tu sors de là, tu as envie de te dire, tout le stress de l'enregistrement, il est passé. Maintenant, si un truc qui foire, c'est pas de mon fait. Comme ça, au moins, j'ai pas à m'en vouloir par rapport Ou qu'au moins, tu dises, les pistes sont propres. Et si après l'ingé son il fait de la merde, on peut en retrouver un autre, mais tu vois, t'as une base propre pour un jour produire ta galette. C'est ça. Si t'as pas cette base, c'est comme si t'avais une bagnole mais que le moteur est foireux, tout le reste ça sert à rien quoi. Mais il faut se dire que généralement, je pense que généralement c'est comme ça que ça se fait, mais pour un enregistrement studio on commence par la batterie. Ouais. Donc il faut se dire que du coup on a fait 4 jours, et en fait au bout de ces 4 jours je me disais ok c'est cool, on a encore une semaine de studio. Et moi, je sais pertinemment pendant une semaine là que je vais passer avec les gars que ce sera pas moi sur. Il y aura que mes idées en fait sur ce EP. Ouais, il y aura que mes idées, il y aura pas ma patte. Ma je comprends. Donc, un peu mal, ouais. Mais en soi, je pense qu'au début, pour être 100% honnête, j'en ai voulu à cet ingé son. Mais en fait, après réfléchir, je me dis bon, bah c'est juste un mec qui s'est un peu surestimé. Mais je peux pas lui en vouloir dans le sens où il m'a pas dit non, mais c'est bon, je l'ai fait, enfin. Il sait pas non plus, il s'est appelé. C'est un gars qui a toujours été hyper bienveillant. Voilà, c'est ça. Non, mais après, ça t'arrive, il y a des jours c'est ça, en foires. Fait. C'est ça, en fait. T'aurais vu la gueule de toutes les émissions qu'on a fait. Là, aujourd'hui, ça fait beau parce que vous avez un plateau télé autour de vous. Il y a des lumières un peu partout, de la bouffe et tout. On fait des blagues avec une canne blanche. Je suis tintin sur Fréquence Métal. On lançait des paris, mais vraiment des paris sur Twitch en début d'émission pour dire qu'est-ce qui va planter. Parce qu'il y a forcément un truc qui plantait. Ouais, il y a des jours c'est avec, il y a des jours sans. C'est ça. Mais voilà, ce gars-là, j'en ai compliqué. J'en ai pas un peu voulu, mais après, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, pas tout le monde a le droit de se surestimer. Enfin, on a le droit de faire des erreurs. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave. En soi, pour le premier EP, c'est vrai que ce qui est important, c'est plutôt les idées. Et vu qu'après, Gwen, du coup, il me semble en plus qu'il a accompagné d'un gars qui lui programme. Oui, oui. Qui il a quelqu'un. C'est ça. Et donc, du coup, en gros, ils ont reprogrammé mes idées, on va dire, le plus finement possible, même si, bon, il y a des choses, mais j'ai pas trop. Vu qu'il nous a fait ça en plus. Tu t'es rattrapé sur scène maintenant. Bah voilà, c'est ça. Le deuxième album. Et voilà, oui, c'est voilà. Le premier album. Non, mais, même, mais même pour le premier, une fois que tu l'as joué sur scène, c'est comme si tu l'avais rattrapé. C'est ça. Mais en soi, il faut se dire qu'on a payé tout ça, machin, etc., une scène de studio pour que les pistes de batterie soient inutilisables complètement et les pistes de guitare soient optimales. Tu veux une blague ? Il y a 4 ans de ça, j'avais payé 4 jours de studio pour enregistrer une chanson de Noël que j'avais réécrite. Avec un clip et tout, et on est sorti de là, rien. Les rushs vidéo ont disparu parce que le PC de Clément à l'époque a cramé et qu'on n'avait pas fait de double sauvegarde. C'est pour ça que maintenant tout Fréquence Métal est en triple sauvegarde. Tous les sons étaient inutilisables et c'était pas forcément que la technique. Donc j'ai totalement un clip de Noël qui a disparu et j'ai 4 jours de studio pour rien. Putain. Ouais. Donc voilà, ça arrive. C'est pas si ta voix aussi qui était. Non, c'est pas moi qui. Alors non, moi la blague dans le clip, c'est que j'avais fait semblant d'être un batteur, sauf que c'est le jour où j'ai dû aller, que j'avais un bras en écharpe, avec genre je m'étais foulé l'épaule ou une connerie, et donc sur chaque morceau de clip, tu me voyais faire de la batterie, et après chaque session, t'entendais j'étais par terre en train de m'enrouler de douleur, ouais, tu donnes le change, mais après tu marches. Ouais, les gens qui se blessent avant le studio aussi. C'est une bonne nouvelle, c'était très très. Batteur qui se blesse. Ouais. Tu me vois brandir des écharpes toute la journée et après derrière une batterie tu fais des cons, je vais m'en faire. Du coup voilà, pour répondre un peu aux questions du chat, oui c'est un trophée, c'est pas ce que vous pensez, il serait pas assez solide pour ça. Mais si ça y ressemble, c'est pas pour rien, c'est pour la blague. Par contre d'ailleurs la blague c'est que quand j'ai parlé de ça au mec qui a imprimé ça, il est dans une montagne, je sais plus lesquelles, je crois que c'est des Vosges ou des Ardennes, je sais plus quoi. Le mec prenait les commandes, quand je lui expliquais les commandes, il a tellement éclaté de rire sur le concept et de ce que ça donne, que déjà on a été, il nous a imprimé en urgence, et de deux, bah, cette version géante, parce que vous avez la version toute petite mais mieux finie, cette version géante, il nous l'a offert en nous disant, si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez dû en vivre pas mal, et tout, voilà. Donc nous voilà, c'est pour nous souvenir de, voilà, mais bon, on se part bien, et puis c'est cool, donc tout va bien. J'ai connu Fréquence Métal, au début c'était filmé avec un Nokia 3310, et bien tu es un menteur. Au début on filmait rien du tout parce qu'on n'avait pas assez de connexion, il y avait juste un logo sur un fond noir. Et ça ramait quand même. Les premières fois on a lancé les caméras, il y avait 44 minutes de latence. C'est-à-dire qu'on posait une question, là, le chat le voyait 44 minutes après. On a vécu pire. La dildouille, on en a par paquet de 12 minutes. Oui, alors si je le termine pas, c'est parce que c'est écart artichaut et que à couper la fourchette c'est très compliqué. Tu peux demander un couteau. Ouais, mais je. T'es
T'es mignon, t'es gentil, mais un couteau ça se fait, tout va bien. Bref, sinon c'est parce que je suis obligé de les gober et un caméra ça va se très mal. Alors ça dépend de quelle plateforme tu travailles, mais. Je t'ai vu venir toi là-bas. J'ai la régie qui s'est levée sur ta blague, j'ai fait t'inquiète, je l'allume. Une petite question, du coup, quand je disais que tu avais défendu cet album sur scène, ça faisait un pont pour cette question. Avec quel groupe avez-vous joué? Et je vais vous demander chacun un groupe à qui vous avez particulièrement aimé partager la scène. On va commencer par toi, parce que les deux autres, on décide de t'abandonner. Mais tapez votre nourriture, les gars, il n'y a pas de souci. Moi, je dirais que pour un symbolique, quand même, je vais prendre un peu l'éléphant dans la pièce, mais le premier groupe avec qui on a joué, Nature Morte, qui a fait un parcours de fou depuis très en plus. Bien, très bien. Excellent groupe. Et franchement, chez nous, ouais, chez on a joué en plus. Avec eux à domicile. Et vraiment, du coup, moi, c'est vraiment un super souvenir de on a fait notre premier concert, et en plus, après, il y avait vraiment ce moment où on s'est retrouvés juste nous. Le groupe et eux en fait dans le sous-sol du 3 pièces et en fait vraiment on a juste discuté pendant je sais pas combien de temps à rigoler un peu comme des potes en fait comme si on s'entendait bien. Enfin, moi j'ai ce souvenir là et que après en fait c'est cool de les voir après se dire putain ils font de moto, ils font moto plus tard, etc. Naturellement ça fait 2 ans qu'on discute avec leur programmateur pour qu'ils viennent ici et on n'a juste pas pu parce que ils ont tellement explosé qu'ils ont des concerts de stop. En vrai si vous arrivez à les avoir vous allez vous régaler parce qu'ils sont vraiment super adorables. Super et puis moi du coup c'est un souvenir marquant parce qu'en plus c'était le premier concert et en fait sachant ce qu'ils ont fait accompli jusqu'à maintenant je me dis c'est cool symboliquement d'avoir eu un premier concert avec un groupe qui fait son chemin dans la scène française donc voilà moi je dirais Nature Morte. Pour toi là-bas. Parce que Joël était en train de te curer les dents, du coup ça me fait marrer. Ouais, mais je suis en train de savourer ce que vous avez acheté à manger, c'est super. C'est un traiteur, enfin c'est traiteur, je sais pas comment on dit, mais du coup voilà. On a Marie-Cuine. En vrai, une rencontre qui était sympa, Antagoniste, c'était sympa quand même, c'était cool. C'était des mecs qu'on a rencontrés au warm-up, entre guillemets, du festival Apocalypse Metal Fest. Ouais, pour y participer en fait. J'aime beaucoup les noms du festival. Tu sais pas si tu reviens. Non, excuse-moi. Mais du coup, ils étaient hyper cool, c'est un groupe de thrash metal, c'est carrément cool. C'était très sympa. Je vais aller au plus évident. Vas-y. Je suis un énorme fan de ce groupe et vraiment, d'avoir vu le nom de notre groupe à côté de leur nom, c'est du coup au festival Apocalypse Metal Fest, mais j'ai eu la chance de jouer avant Benighted. Oh, bien. Et vraiment, je crois que c'est au niveau du groupe ma plus grosse fierté. Alors, question pour toi, mais du coup, est-ce que tu étais plus partagé, on va dire, par la joie d'aller jouer après eux, ou par le stress de faut pas que je me loupe ce jour-là, ils me regardent? Non, c'était plus de l'excitation de me dire en fait, c'est trop bien. Je vais partager ça avec eux. J'ai la chance de pouvoir jouer sur la même scène. pouvoir aller les croiser en backstage. Parce que moi, c'est toujours la deuxième partie. Je suis toujours plus stressé en me disant, genre quand on a reçu les Locos, ou quand on a reçu Penumbra, dont j'étais un grand fan aussi, j'étais plus en mode, putain, ce soir, faut pas que je me foire. Tu sais, t'as vraiment la goutte de si je me foire, c'est le jour ou jamais, il faut pas, tu vois. Et bon, j'y vais quand même, parce que devant, t'allumes les caméras, les micros, t'oublies, et tu redémarres comme il faut. Mais ouais, moi, c'est le contraire, je serais en mode... Non, moi, c'était plus de l'excitation, mais c'était une affiche de fou... on a joué juste avant Antagonisme, tu vois. Mais à l'affiche, il y avait du coup le Locomerté, il y avait Dagoba, il y avait Benighted. Dagoba en plus. Qui ont remplacé Rise of the North Star. Dagoba, c'est un des seuls groupes qui me fait aller dans la fosse. Je n'y allais pas déjà de base, j'y vais encore moins que la canne blanche. Par contre, dernier concert de Dagoba que j'ai fait, il y en a deux au premier rang, ils ont pleuré. Je suis arrivé fond de balle en sautant. T'as 125 kilos qui arrivent comme ça en diagonale, t'sais. Rattrapez-moi, ça leur a fait bizarre. Hein. Faudrait un jour que je les invite, c'est un des seuls groupes qui arrive à me faire pogoter. Ça, c'est ouf. Du coup, est-ce qu'on continue les questions? Oui, j'en ai une qui me plaît beaucoup. Je vais faire une petite pause vite fait dans le chat. Zelos, d'ailleurs, tu viens de faire ce point. Juste, Loulou, c'est cool que tu participes, mais doucement sur les mots un peu interdits sur Twitch. C'est pas contre toi, c'est qu'un jour, si tu fais trop ça, tu vas te manger un strike de Ben, et du coup, si c'est nous qui te strikons, tu vas juste te prendre une semaine, tu pourras regarder les autres écrire et pas écrire, c'est pas grave. Mais vraiment, fais gaffe, parce que comme je te dis, on a un Ben de Twitch qui surveille, et lui peut carrément, pour ce genre de message, bannir ton compte
à ce qui va dire que tu fais l'apologie de quelque chose. Et ce serait con que tu te fasses bannir ton compte de toutes tes chaînes Twitch pour ça. C'est pour ça que quand tu as rejoint la chaîne, il y a un petit truc qui dit avec les règles à respecter. Je dis pas que t'es une mauvaise personne, t'es toujours bienvenue, mais vas-y mollo. Oublie pas que Twitch, comme YouTube, c'est des plateformes américaines et qu'ils ont ce truc de... On fait les plus grosses conneries du monde, mais on est des puritains dans notre façon de penser et il faut y aller mollo. Donc voilà, juste un petit message. Rien de méchant, mais fais gaffe, ils sont beaucoup moins cool que nous. Moi, tu peux me vanner sur tout ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, mais Twitch va pas aimer. Donc garde plutôt ces délires-là pour dans la vraie vie, tout va bien. Ou alors, essaye de nuancer un peu. Je te jure que la plupart des blagues, bien crade, je les fais en off, hein, ils sont témoins. Il y en a certaines qui sont sorties en off qui étaient vraiment hard, mais on, voilà, on est obligé de nuancer. C'est la plateforme qui est comme ça, et en vrai, bah, c'est un jeu à jouer, c'est qu'ils nous mettent toutes ces plateformes à dispo, c'est quand même cool pour le projet, c'est cool pour tous les groupes qui viennent. En échange, on doit être un peu plus sage. Voilà. Tant pis, c'est pas grave. Et puis quand tu vois, quand des fois le joueur du grenier s'est fait plus 15 jours pour rien, il n'y a pas longtemps. C'est ça qui était drôle. Mais en plus, la ref historique n'était même pas vraiment citée, tu vois. Donc c'est... Non, vraiment, il y a des bannes qui tombent pour moins que ça, fais gaffe. Ce serait con de te faire bannir tous tes comptes pour rien. Une petite question propre que j'aime beaucoup, et on va commencer avec toi. Ouais. Et là, il a fait... Une fois Qu'est-ce que tu considères comme la première victoire que tu as eue avec ce groupe? Première victoire? Ouais. Tu t'es dit yeah! Comme ça. Enfin, après, tu cries ce que tu veux, mais moi, c'est ce que j'aurais crié. Première victoire, je dirais la sortie du premier EP, en vrai. Ouais. Genre, le fait de me dire que c'est un projet qui se concrétise et que, pas qu'on laisse notre trace dans l'histoire, mais. En vrai, juste le fait qu'il soit sorti, qu'on s'en ait réussi à s'en sortir finalement. Non, il est propre. Mais non. Le sentiment de dire ça existait. Ça existe, on a sorti quelque chose et on peut en être fier. Ouais, si demain tout se casse la gueule, au moins il y a ça qui est. Il y a un témoignage qui est là. Quoi. J'ai le même sentiment avec YouTube et mon disque dur de Sauvegarde. C'est-à-dire que même si un jour on est. Parce que le but du jeu, nous, c'est qu'un jour on soit remplacé par des grosses télés et des radios qui s'occupent de vous aussi bien que nous. Je me dirais, je m'en fous, j'ai existé. Ouais. J'ai apporté ma pierre un jour à l'édifice, je comprends, ouais, c'est très important. Et d'ailleurs, merci à tous les compliments qui sont passés dans le chat, des gens qui nous connaissent depuis longtemps. Oui, justement, vos compliments me rappellent ça, c'est on a existé à un moment donné, on est encore là et c'est grave cool. Pour toi. Pour moi, je vais être un petit peu plus gnangnan, je vais dire. Sois gnangnan, mec. Non, mais en vrai, moi, c'est d'avoir la première victoire, je pense, c'est quand on a les premières fois où on a joué en live. En fait, c'est de découvrir l'alchimie qu'on avait dans un moment où on n'avait pas le droit de se foirer, entre guillemets. C'est bien dans l'ambiance. Non, mais c'est vrai. J'avais prévenu. Mais t'as raison, le jour où je suis moi la nuit, je suis Daredevil, donc t'inquiète pas, cette nuit, dors bien. Je vais te faire chier. Il a raison. Dors bien cette nuit, mon gars. Il va-tu t'entendre? Justice! Justice! Ça, c'est Batman. En vrai, c'est con, mais on aurait pu par exemple faire tout ce travail de répétition et puis se dire en live, putain, ça marche pas. Non, mais c'est vrai. Non, puis au fil, t'aurais su dire que finalement, les galères ont pu séparer le groupe parce que vous avez pas cette alchimie, vous avez pas cet esprit de cohorte, de famille ou de pote. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ce qui fait que, ouais, ça rend fort. Mais en vrai, le terme famille, je le trouve bien dans le sens où. Il y a un peu cette énergie-là, moi qui ai une fratrie par exemple, on s'envoie des vannes, des fois on se parle trash, etc. Mais. Oui. Mais c'est pas du tout un exemple en tête. Non, mais en soi. J'ai aucun exemple en tête avec l'équipe. Hein, je... mais en soi, en fait, quand on joue ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, en tout cas, que je sens. Parce que. En tout cas, personnellement, quand je suis sur scène, je sens quelque chose avec le public. Non, c'est lui qui a grotte et qui. Ouais, c'est lui. Mais ils sont devant. De toute façon, je vois tout leur cul devant moi. Je suis derrière à la crabatterie, donc. C'est si je fais des erreurs, dites-vous que c'est les gars qui. En fait, le twerk, c'est pour le complimenter. Bien joué, mec. mais en fait, c'est de savoir que il y a des fois, il y a simplement des regards ou des choses comme ça où on s'encourage, des choses comme ça, et c'est une alchimie que j'aime beaucoup en fait. Et du coup, leur live, c'est vraiment le moment où moi je déconnecte et je sais qu'il m'arrivera rien parce que je suis entouré de 4 gars qui gèrent. Et qui on se regarde et tout, et ça, franchement, avec la gueule, donc, oui, c'est ça. Au-delà des vannes, t'as des moments comme ça où tu sens vraiment ce que j'appelle l'esprit de cohorte, tu vois. Ouais. C'est pas forcément la famille d'amis, mais nous, je l'ai vécu très récemment quand je leur ai dit, au fait, ça vous dit le hardcore Carfest, un vrai film,
sais, tu sens ce truc qui prend derrière. C'est ça. Tu fais ok, je suis pas tout seul. Ça y va, fond de balle. Tu sens des mecs fou. En fait, tu sens des mecs avec qui tu vibres un petit peu. T'as la même résonance et tu fais oh là, c'est trop bien. Moi, j'aurais dit, c'est tu sens le moment où toi, t'as peut-être du mal à faire le premier pas. Ouais. Mais tu sens tous les autres qui arrivent en mode rugby derrière, t'attrapes par les épaules et allez, on y va, tu sais. Ouais, c'est ça. Et qui te jettent en avant. C'est le moment où tu te sens pousser des ailes, où tu fais oh, c'est bon. Je me suis pousser des ailes parce qu'on est à l'unisson et ça, c'est cool. Et du coup, vraiment, la victoire, c'est un peu ce. C'est les premières dates où je me suis fait, en fait, ouais, ça fonctionne. Et, ça le fonctionne. Pire, et le pire, c'est que c'est quelque chose que quand t'es dans la fosse et que tu vois ça sur un groupe, tu le ressens. Mmh, ouais. Tu le ressens clairement dans la musique. Donc, c'est une très bonne chose. Très belle victoire, du coup. Pour toi là-bas. Très gnangnan, mais très belle. Bah, moi, ça va être plus récent en vrai. Bah, en fait, c'est une victoire en soi parce que. T'as rencontré Daredevil? Non, bah, tu vas le rencontrer cette nuit. Non, mais en fait, on a eu la chance de participer à l'Apocalypse Metal Fest au Havre il n'y a pas longtemps. C'était tout ça pour le. C'est la plus grosse date qu'on ait fait. Ouais, c'est largement la plus grosse date qu'on ait fait. Puis on a réussi à participer parce qu'on a participé à un tremplin avant. Ouais. Et du coup, c'était sur vote du public. Sur vote, et puis du coup, le public, il y avait 4 groupes, je crois, pendant la soirée. C'était quoi ton tremplin? C'était un truc comme Macbeth. Ouais, c'était le tremplin de l'Apocalypse. Ouais, en fait, il y a un concert organisé, le public sur place votait pour vous qui avez passé la soirée. Ok, très bien. Et puis, bah voilà, donc le public a voté, pour nous à la fin. Donc, bah, ça fait quand même hyper plaisir en fait de se dire que les gens étaient là sur scène, enfin, dans le public, ils ont voté, et on les a convaincus et ils se sont dit, ouais, eux, c'est bon pour eux. Donc, c'est super plaisir. Ouais. C'est bon. On va faire une petite pause musicale. Je suis en train de relire les trucs du chat qui dit j'ai connu Fréquence Métal à l'époque, ils avaient tellement pas de connexion que l'émission coupait au milieu. Oui, on a connu ce genre de genre. On en a des douilles, hein, c'est compliqué. La régie, dites-moi, maintenant que tout fonctionne et tout le matériel est à peu près stable, vous avez préparé quoi comme musique? Pérégrination et Magnitude. Est-ce que vous avez un mot sur ces deux titres avant qu'on leur envoie dans la gueule avec toute douceur notre cordeur? Elles se suivent, enfin c'est dans l'album en tout cas, elles se suivent. Et t'es sûr parce qu'on a 6 et 12 là dans les. Allez, non, non, en vrai, Pérégrination, c'est vraiment le morceau qui est pensé comme une espèce d'interlude au milieu du morceau. Et pour les auditeurs attentifs, c'est aussi la structure harmonique du refrain de Titan, le dernier morceau de l'album. C'est Dans le chat, on a déjà des gens qui ont dit que c'était leur préféré. Et ben, du coup, Peregrination, si tu l'écoutes, tu peux retrouver le refrain de Titan dedans. C'est une espèce de foreshadowing de ce qui va arriver. Trop bien. On va vous balancer ces deux titres. Profitez-en pour préparer vos prochaines questions, vos prochains compliments dans le chat comme tout à l'heure. On arrive vraiment bientôt sur la fin de l'émission. Donc profitez de vos questions, ça va être le moment ou jamais. On vous balance ça. Faites une pause. Nous aussi, on se retrouve juste après. Prenez soin de vous, c'est le plus important.
êtes de retour sur Fréquence Métal, vous nous voyez à l'image, vous nous entendez sur Rock en Folie. Et en vrai, je suis content que vous êtes sur Twitch parce que du coup, on a vu plein de compliments popés pour vous. Là, il y a de la playlist qui a été rajoutée. Vous avez été rajouté dans des playlists, c'est une bonne chose de vous avoir invité finalement. Un petit rappel, il y a une autre façon d'aider la chaîne, il paraît con, mais quand t'as passé Noël le jour de l'an et que t'as une pièce qui encore troue ton jean, c'est con, va pas gâcher un jean. On a, si tu tapes un plan d'exclamation don, on a une petite fiche de don où tu peux te débarrasser de cette pièce et nous ça nous fera du bien. Non mais en vrai, oui, il y a des gens qui ont fait quelques dons et ça nous a permis de payer un bout de micro, un bout de caméra. Tant qu'on peut exister grâce à ces petits dons, grâce à vos clics, grâce à vos j'aime un peu partout, ça nous permet d'aider d'autres groupes. Parce qu'on le rappelle, on est une asso, on est bénévole. Et que dans l'idée, on n'est pas fait pour faire des sous, et vraiment en plus on n'est pas doué pour ça, donc tout va bien. Voilà. Ensuite, on va continuer avec les questions. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on arrive vraiment dans la dernière demi-heure. Yes. Mm-hmm. Donc on aura encore un petit questionnaire à faire, mais je pense qu'ils vont m'arracher la gueule quand il faudra, tout va bien. On parlait des victoires tout à l'heure, on va attaquer une question un peu plus triste, mais qui n'est pas forcément. Est-ce que vous avez un regret avec ce groupe? Ça peut même un tout petit regret d'un tout, genre je les ai pas connus assez vite, mais c'est très bien, on te le garde pour toi. Ça y est, je suis tagué là. Ça y est. Mais j'ai un regret. En vrai, non, comme ça, j'ai pas de regret qui me viennent. En fait, tu peux toujours regretter, ouais, là on n'a pas été assez performant, là on n'est pas allé assez vite, là. Mais en fait, ça fait partie de l'évolution d'un groupe. Sans ça, on n'aurait pas appris en fait. Oui, que tu peux toujours être meilleur de toute façon. C'est ça en fait, tu peux. J'aurais jamais commencé sans la fibre. Ouais, c'est ça, genre. Non, c'est vrai que. Ouais, par exemple. En termes de regret, bah en fait, c'est vrai qu'après, une fois qu'on a fait quelque chose, on se dit plus tard, ah ouais, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Non, en termes de regret, je pense. On peut même pas dire qu'on ait pris plus notre temps sur l'EP ou l'album, parce que vraiment, je pense qu'on a vraiment pris notre temps. Ouais, on a pris notre temps de fou, et ça empêche pas que. J'écoute des trucs de l'album et je me dis putain, ça je l'aurais bien fait comme ça, j'aurais bien rajouté de la classe pour moi. Ouais, mais ce retour en arrière, ça peut pas être un regret. Non, mais. Parce que en vrai, c'est que depuis le temps, t'as pris un niveau, t'as peut-être du. Enfin, moi dans mon sens, c'est que t'as du nouveau matériel. Mmh. C'est pareil, quand je réécoute mes premières émissions, je suis. Ouais, bien sûr. Il y a tout à refaire, tu vois, t'as envie de te frapper toi-même. Donc, non. Peut-être d'être. Aller à la limite, au début du groupe, peut-être un peu plus sociable, ça nous aurait permis peut-être débloquer plus de dates. Ouais. Parce que c'est peut-être. Vrai. Non, mais c'est vrai, c'est peut-être ce qui. Non, pêche. Non, mais juste, je sors pas de chez moi et je suis pas social, donc. C'est même pas ça, c'est juste que je pense qu'on est le genre de gens qui osons pas forcément aller taper la discute, ouais. Alors qu'il faudrait oser. En fait, il y a pas le choix, quand t'as un groupe local, il faut se faire un carnet d'adresse, il faut taper la discute à plein de gens. C'est ça. Le premier conseil, c'est d'ailleurs que je dirais à tous les groupes qui nous suivent dans le jeu, allez voir les copains en concert. Ouais. Parce que déjà, un, ça leur fait plaisir, de deux, ça leur fait du monde à leur concert, donc ils viendront au vôtre. Et de trois, en discutant avec les groupes locaux, et tu te fais une masse de contacts en maison. Oui, bien sûr. Enfin, voilà. C'est pour ça que je dis souvent aux groupes qui viennent à la maison, faites-vous au moins l'un d'entre vous un compte Twitch, venez de temps en temps parler dans le chat, parce que si tu savais le nombre de groupes qui passent et qui se font des coucous dans le chat et qui montent des concerts ensemble, moi ça me fait mourir de rire parce qu'après je vois les affiches et je suis en mode bah, je connais les trois, je connais les deux, j'en connais trois là, et tu vois des concerts sont montés et c'est fait pour en fait. Voilà. Du coup très bon, très bon, très bon. Petite question, ah oui d'ailleurs, qui vous concerne un peu, je sais qu'il y a une partie de votre groupe qui est tenue par des professionnels. Oui. Mm-hmm. Ben, c'est le moment d'en parler. Et si jamais vous aviez de l'argent à foison, est-ce que vous feriez professionnaliser une autre partie de ce groupe? Oh non, on se paierait à fond et puis. Ouais. Non. Tiens, avec la caisse, mon gars! Ouais. Déjà, pour parler de la personne avec qui on travaille, c'est Didier Cauchois de Sound of Silence, qui est aussi également chanteur dans Primal Age, c'est peut-être là que vous le connaissez. Et, bah, à l'époque, on a saison 4 ou 5, ils avaient fait une émission chez nous, ils nous avaient annoncé qu'ils allaient monter cette boîte, et ensuite, ils avaient tellement kiffé l'émission que dès qu'ils ont monté la boîte, leur premier groupe qui est venu, ils nous l'ont envoyé. Ok, cool. Donc tu vois, quand on parle de contact... Ouais, c'est ça. Ils ont envoyé la balle quand tu l'as Et sachant que c'était un groupe, pareil, groupe un peu malaise, parce que je les écoutais depuis plus de 15 ans, quand je les ai reçus, j'ai fait, pardon, c'est quoi ce carton? Vous n'avez pas le niveau pour nous, enfin nous, on n'a pas le niveau pour vous. Et puis maintenant, on bosse en corrélation et on accueille leur groupe, donc tout va bien, tu vois. Donc oui, ils s'occupent... Et du coup, ils s'occupent un peu de la communication externe du groupe, notamment... Les médias. Oui, c'est ça, la relation média du groupe. Ouais. Par exemple, on est là ce soir grâce à lui. Et merci. Présentez-vous à moi, merci Lulu.
C'est marrant de dire merci Loulou, alors je l'écoute depuis 15 ans et je suis fan de tout ce que fait ce mec, tu vois. Merci Loulou, en fait j'ai grave du respect pour lui. Et ouais, il nous a décroché pas mal de chroniques à l'étranger, en France, un peu partout. Donc, merci à lui et merci à toutes les personnes qui ont fait des chroniques de la boîte. Ouais, c'est ça. Ouais, répondu pour ouais, gens, ça c'était vraiment un truc de fou. On a une dizaine de chroniques et puis un truc italien, un truc grec, un truc anglais. Ouais, c'était trop bien, on a eu plein de retours. Moi, Didier m'a offert un cadeau il n'y a pas longtemps, quand j'étais au Cap Fest. Il nous a claqué un remerciement alors qu'il était sur scène. T'es en train de kiffer ton concert et là t'entends on voudrait remercier un pote qui a dans un truc. Gilou et Punky, la fréquence peut-être en mode qu'est-ce que tu fais Loulou, oh, tes conneries. Joujou, fais ton truc, mais je joue pas. Ouais, c'est clair. Et j'avais essayé de la jouer discret, mais bon, avec Punky, je me suis fait cramer. Non, adorable. Et du coup, si vraiment c'est un mec super Didier que du projet, oui, vraiment. Oui. C'est le genre de type que tu croises que quelques fois dans ta vie et faut les garder en contact parce que même pour boire une bière, c'est adorable. Tout va bien. Du coup, si vous aviez vraiment argent à foison, est-ce qu'il y a une autre partie de votre groupe que vous feriez dégager comme ouais, ça la recherche de dates. Ouais, ouais, quelqu'un au booking à plein temps. C'est l'enfer. C'est Didier est déjà un peu sur le coup. Ouais, mais après, il a d'autres groupes à gérer. C'est ça. Mais Inner Light aussi, je crois. Surtout, je dirais qu'il est pas peur un peu. Il nous a dit, régulièrement qu'il est à fond sur ça. Oui, oui. Mais c'est pas simple. Mais non, c'est pas simple. Même pour, quelqu'un justement qui a un carnet comme Didier, etc., qui est depuis longtemps là-dedans, c'est quand même compliqué pour lui. Donc, il a un minimum 15 ans de métier dans le tas, c'est vrai que nous trouver des lettres, c'est déjà compliqué pour lui. Alors on se dit que c'est vrai que. Donc après, on a sûrement notre part à faire aussi dedans, mais c'est vrai que quelqu'un qui pourrait être à 100% là-dessus, nous suivre, même quand Didier ne nous suivra plus. C'est vrai que ça serait pire. Si on avait de la thune, on ferait des vinyles. Ouais, on ferait des vinyles si on avait de la thune aussi, largement. Ah, alors je suis désolé, j'avais un plan sur Lyon. C'était des vinyles recyclés qui étaient bien moins chers et que c'était cool, mais le Covid a fini de tuer l'entreprise. Ouais. Ouais. Et là, par contre, aux États-Unis, il y a un truc de vinyle 100% éco qui a été monté. Mais pour l'instant, ça a l'air encore assez cher parce que c'est tout nouveau. Il y a que des groupes américains qui sont dedans. Ça s'appelle les Green Hill ou un truc comme ça, on va rechercher. Mais je me dis que cette idée est vraiment simple comme tout, comme bonjour. En vrai, ils ont trouvé un truc, c'est pas con, fallait y penser, tu vois. Et je me dis que si ça se développe, il y aura peut-être moyen de vous faire des vinyles moins chers. Carrément. En fait, ça s'appelle Green Hill ou quelque chose. Si quelqu'un peut retrouver ça sur internet, dans le chat, partager aux copains, parce qu'en vrai, c'est un bon délire à suivre. C'est vraiment un truc frustrant parce que du coup, au niveau visuel. On a essayé de faire les choses bien avec l'album. C'est Alex, du coup, le guitariste qui a peint vraiment la pochette de l'album, les pochettes du single et même des visuels qui se retrouvent dans le livret avec les paroles et tout. Et avec un truc qui a cette gueule-là, on avait vraiment envie de le mettre en vinyle, quoi. C'était l'objet qu'il fallait, quoi. Sauf qu'on n'a pas les fonds. Bon. C'est compliqué pour un groupe qui démarre de claquer un vinyle. Hein. Ah ouais, non, déjà, enregistrer un album et le sortir, c'est compliqué. Mais un vinyle, effectivement, mais bon, ça va, vous êtes bien entouré, c'est un bon début. Oui, très bien entouré. Vous n'êtes pas tombé dans la pire des maisons, tout va bien. Et en vrai, moi je le remercie parce que sans lui, je vous aurais peut-être pas rencontré, je vous aurais peut-être pas découvert. Et comme j'ai dit, quand il m'a envoyé la MP3, j'ai fait ah ouais. quand tu retournes la tête et que ça fait, t'as mangé l'album, tu sais, tu dis bah il n'y a plus de musique. Ah oui, parce que j'ai mangé tout ce qu'il m'avait envoyé. Tu fais ah oui, je vais peut-être les inviter finalement. Donc merci, ça va, et il a de très bons goûts parce qu'en vrai, tous les groupes qui laissent sous le coude. Le premier qu'ils nous ont envoyé, c'était Inner Light, c'est pareil, ils ont que des dongles en fait dans leur roster. Ils ont monté une équipe de super-héros de la musique, tu fais, ah ouais, tu sens les gars, tu sens les briscards pour du jeu. Mais ouais, du coup j'ai ce bonheur, nous, de bosser avec quelques professionnels comme ça. Et en vrai, ça nous ouvre des portes parce que des fois ça ouvre des grands groupes, mais surtout ça ouvre des groupes qu'on n'aurait pas pu découvrir parce que la scène émergente, vous êtes nombreux, très nombreux. Est-ce qu'on a des questions dans le chat J'ai deux, trois trucs. On va souhaiter une bonne nuit à Projo. C'est ça, voilà, une bonne nuit à Projo. Oui. Et deuxième chose, c'est Glenda qui demande quel serait votre plaisir secret. Le plaisir coupable. Le petit groupe que vous aimez mais que vous ne mettez pas dans la voiture, sinon les copains le savent. Attends, faut que je cherche. Moi, il y a des trucs hyper mainstream que je trouve bien pour longtemps, mais j'ai pas les noms particulièrement parce que je les écoute, je me dis, ouais, c'est en vrai, ça c'est. Le mec qui fait écrire les chansons dans sa voiture. Mais ouais, je trouve que ça tient la route, quoi. Genre, c'est des trucs hyper produits et tout, mais. On s'en fout, tu vois. T'as quoi dans le crâne pour avoir pensé à ça, toi? Le mec qui en kiffe sur les pubs Carrefour, c'est. Oh, ouais, c'est chaud comme ça.
vieux carrefour là. Lequel d'entre vous écoute Cindy Sanders? On va le savoir. Non mais moi qu'est-ce que je veux dire secret vous... Coupable. Non je... ah, c'est le truc que tu mets pas dans la voiture parce que tes potes vont le savoir. Il y en a plein. Ben non, non, moi en vrai, tous mes trucs un peu, enfin pas secret, mais non, je sais pas, moi j'écoute M, mais j'assume complètement. Ouais, en vrai, j'ai pas de plaisir coupable. Parce que ben non, mais c'est ça, c'est que j'ai des trucs qui sont très loin. Attends, M, en vrai, ça peut être un plaisir coupable parce que tu le dis sur scène, tu peux prendre quelques tomates, quoi. Ouais, mais par contre. Mais alors que c'est un putain de compositeur, hein. C'est. Ces lives là, enfin, je sais pas, quand tu vois certains de ces lives de jeudi M, etc., je fais, oh, waouh. Bah, mais ça, c'est vrai que c'est pas le truc que je crierais. Bon, je suis en train de le dire sur Twitch. Hein. Mais, devant des millions donc, de spectateurs. La preuve que je le fais. Non, mais, non, encore trop petit pour s'attaquer à tout va bien. Mais en soi, moi, M, je suis super fan. Mais c'est même l'un des premiers groupes que j'ai vraiment. Enfin, artiste du coup, que j'ai vraiment kiffé étant gosse. Donc, mais c'est vrai que, bon, moi, si tu fais une interview pour un média plus tradi, etc., c'est pas le truc que tu vas dire. Ouais. C'est vrai que si tu gagnes en crédibilité, tu dis pas trop ça. Mais tu risques de t'en prendre une gratuitement. Moi, j'adore, et puis de toute façon, les gens autour de moi sont. Bon, non, puis nous, ici, t'as imité Daredevil, je te jure, à niveau honte, t'as déjà fait pire, quoi, tout va bien. Non, ça va. Ça va. T'inquiète pas que je dormirai bien ce soir, avec un goût de justice. Prends-toi là-bas. Ouais, bah franchement j'ai pas trop d'idées parce que tout ce que j'écoute je l'écoute plutôt de manière ah excuse-moi j'en ai un commun les gars. Vas-y. Est-ce qu'on pourrait pas dire Crazy Frog? Ah ouais, ok, lequel d'entre vous à qui je pète un genou en premier? C'est un des trucs qu'il faut pas. Pardon, non mais vraiment, j'ai envie de te péter un genou. C'est un des trucs, tu me le mets, je mets trois jambes. Le riff est bien. En vrai, le riff, c'est pas Crazy Frog, c'est je sais plus, c'est deux flics à Miami, je crois. Ah ok, la chanson des deux flics à Miami, je veux bien. Mais oui, le sample de. En gros, avec Prime Fire, on a participé à une compilation de plein de groupes locaux. Non mais attends. Les bénéfices étaient reversés au groupe populaire, c'était Six Sad World qui organisait ça. Okay. Et là, tu gagnes un point parce qu'il y a des bénéfices refilés. Faites une reprise d'un truc classique des années 90-2000, tu vois, genre un truc que t'as entendu avant les années 90-2000. On s'est dit, malheureusement, ça a Crazy Frog, du coup, on a fait une reprise de XLF. Non, attends, excuse-moi si je puis me permettre, ça s'est pas passé comme non, ça. Non, ça, c'est parce que, en gros, pour raconter, on essayait des choses en répète et on faisait, ouais, au début, on se disait, on avait dit Soundgarden ouais. Peut-être. Et Alex était pas là. Black Olson. Ouais. Et Alex était pas là, du coup, il pouvait pas décider quoi. On s'est dit Black Olson. Ah non, machin. On avait dit Nirvana aussi. Après, on a dit Nirvana, ouais. Donc, on a essayé d'être sérieux. On a essayé d'être sérieux. Et à un moment, je fais. Bon, Crazy Frog. Non, on a essayé d'être sérieux, mais à chaque fois. Sérieux, mais en fait, Alex me disait non, il aimait pas. Soit Alex aimait pas, soit c'était déjà plus sur ça. Ouais. Puis à un moment, je fais. Ouais, on va faire quoi? On va faire Crazy Frog. Et du coup, je me mets à jouer le riff. Et on fait. Ça part. Ouais, ça et on envoie un message au gars et il fait oh les gars, j'adore. En plus, il nous a carrément entraîné là-dedans. Ouais. Et il fait oh les gars, j'adore, j'ai trop hâte, machin et tout. On fait bah oui, bah, on va vraiment le faire en fait. Moi, je suis très drôle. Mais en vrai, heureusement que je vous ai pas croisé ce jour-là. Je te jure, c'est une chanson. Ouais. C'est comme la chanson du Papa Pingouin. Tu me la chantes. C'est de meilleure qualité que le Papa Pingouin. Non, mais instantanément, je suis un diable de Tasmanie, j'ai envie de t'arracher la tête. Enfin, je te dépèse vivant. C'est des trucs qui m'ont. Bon, pour moi, c'est dans la case trauma, tu vois. Mais ouais, je comprends c'est dans la case trauma. Non, mais j'ai 38 ans. J'étais conscient de ce qui sortait à l'époque. Je savais que c'était de la merde. Et je l'ai entendu 15 fois par jour, tu vois. C'était l'occasion de faire un truc vraiment ultra éloigné de ce qu'on faisait, en plus pour une bonne cause. Donc, bon, c'est dit. Vas-y, on va s'amuser, tu vois. Ouais, on va pas. T'aurais pu reprendre les Worlds Apart. Mais on va pas y mettre un truc. On va pas y mettre un truc lourd, machin, etc. Là, on va. C'est juste. On s'éclate. Alors, je suis trop marré parce que en fait, j'ai essayé de caler tous les clichés métal. Oui, voilà, c'est ça. Le plus possible. Ouais. C'est ça. Un maximum. C'est ça. Mais une double pédale sur le Crazy Frog. Oui. Ouais, 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 exactement. De la whammy. Ah ouais, je vais retirer ce que j'ai dit. Il y a peut-être moyen qu'en réécoutant votre morceau. Ça me souvient un peu. Non, ça a dû être un massacre de grenouilles. Allez écouter Axel F. Encore que, un massacre de grenouilles, c'est très français finalement. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on a des bouffeurs de grenouilles, donc tout va bien. Est-ce que la régie peut m'envoyer un petit jingle avant qu'on passe? Voilà. Il creuse pas du tout, on a un truc. La maison des vérités, la mélanite, le petit 4. Est-ce que vous connaissez le jeu de scène ou le scène en verre?
Ce soir, vous allez tous les trois des critiques de cinéma. Je veux vous demander d'être critiques de musique. Comme des critiques de cinéma, vous allez être des critiques de musique sur BFM TV. Vos réponses doivent être techniques, pesantes, voire incompréhensibles. Oh putain. Après, ouais. Si en plus il y a de la mauvaise foi, on est bon. C'est le moment de vous défouler, de décharger tout ce crazy frog, tu vois. On est pas fait. Première question, on commence avec toi. Ouais. Penses-tu que le métal vit son âge d'or ? Écoutez, je pense qu'on peut pas totalement dire ça. Ce serait renier des décennies de legacy. Voilà, je pense que chaque chose évolue en son temps, mais on ne peut pas effacer ce qui est derrière nous. Oh oui. J'ai envie de, c'est peut-être une insulte, mais j'ai envie de t'appeler Pascal Prodien. Pour faire un débat, mais vous pouvez pas dire ça. Vous avez lu le bouquin, vous l'avez lu. Vous l'avez lu. Moi j'ai lu. À ton tour. Est-ce que tu penses que le métal vient d'âge d'or? Ouais. On est autour de table BFM TV, les gars. Chacun son tour. Mais bien sûr que non, qu'il vit pas un âge d'or. Voyons, l'âge d'or, c'était à l'époque, la grande époque de Metallica, quand il y avait les Guns. Ouais, c'est pas une réponse sérieuse de toute façon. Ah non, elle est très bien, oui. Oh, voilà. Mais bon, c'est pas ce qu'elle prend. Non, c'est vrai. Après, bah, reste, t'es bien, t'es dans le thème. Vous me parlez de métal, mais après, je trouve pas de ça très sérieux comme musique, quoi. Je veux dire, c'est bon. Moi, je rentre chez moi, je suis capable de le faire. Pas gueuler dans un micro, c'est et du taper vite. Ouais, pour moi, c'est un peu du bruit. Du pour moi, ça vaut pas les Guns, la CDC, et puis. Tu prends 4 casseroles. Non, mais les années 70, moi, j'y étais. Toi, tu y étais ou pas? Oui, bah t'as écouté Saint-Angers. Voilà. Saint-Angers, non, mais le Metallica. Ça, moi, voilà, le punk des années 70, j'étais là. Tu prends un tonneau, tu fais la même chose. Donc c'est bon, ça va. C'est bon, j'ai écouté. Dans ma jeunesse, j'ai écouté. Au bout d'un moment, j'ai mûri. Non, mais arrête. J'ai mûri, j'ai compris que c'était de la merde. J'ai jeté une allumette, ça fait un exposé. En fait, faut pas nous lancer. Ah non, mais c'est parfait. On va continuer, toi là-bas. Justement, je vais faire un point. Peut-on réellement dire que le métal existe en tant que tel, ou est-ce que c'est une accumulation de styles finalement? Toujours en mode BFM TV? Ouais, toujours. Ouais, putain. Est-ce que c'est un style à lui-même, ou est-ce que c'est juste une compilation? Il faudrait avoir du talent déjà, premièrement. C'est bon, parce qu'on les voit. Hein. Pour moi, c'est pas une accumulation de styles, c'est du pillage finalement. D'où les Vikings. D'où les Vikings. D'où les Vikings, oui, bien c'est sûr. Du pillage. On peut faire le parallèle. Voilà, après, une accumulation de styles, je pense que c'est bien un gros mot. Je pense que c'est une accumulation de sons déjà. Oui, oui. Beaucoup de bruit. Une accumulation de trop de bruit. Oui, de bruit, voilà. Les sons, c'est des choses agréables, mais le bruit, c'est jamais agréable. Non, pour moi, c'est les bas-fonds du rock. Voilà. Quelque chose à rajouter ou... Non, je pense que mes compères ont tout dit. Bah, du coup, on va continuer avec toi. Pour toi, finalement, avec tout ce qu'ils ont dit, est-ce que tu penses que le métal mérite d'être mis dans l'art de la musique? De la musique? C'est un peu de l'art dégénéré, finalement. Vous voyez les énergumènes à votre droite? Non. Oh, j'ai vu le signe arriver, surtout. Pour vous, maman, on peut mettre ça dans l'art de la musique? Je n'ai même pas besoin de répondre, déjà. Je crois que j'ai déjà tout dit. Non, mais déjà, ce genre de son là, propagé par les médias, tout ça, machin. Non, mais ça, c'est une microsphère. Merdia auquel vous participez. Pardon, je mets la lumière sur une affaire très importante. Mmh. C'est nul. du métal, déjà. Ça... Après, ça reste quand même mieux que tout ce rap islamo-gauchiste. Ne me lancez pas sur le sujet, Pascal. Avant qu'on se fasse rattraper par l'Arcade ou Bonnie, est-ce qu'on peut réellement conseiller à nos auditeurs ce soir d'écouter un peu de métal dans leur vie? Oui, bah, il faut bien une valeur étalon pour savoir apprécier, réapprécier les bonnes choses dans la vie, je pense. De temps en temps, écouter un peu de ce truc, ça nous permet de réapprécier. Ça met les choses en perspective. Voilà, mettre les choses en perspective. Quand tu vois le plus bas, tu vois mieux le plus haut, tu vois ce que je veux dire? Ça nous permet d'apprécier... plus également un petit Chopin, un petit Schubert. Voilà, c'est clairement revenir au classique. J'ai peut-être un petit Elvis Presley pour commencer à rentrer un peu dans peut-être le... Peut-être un peu tard. C'est pas un vrai. Début de la déchéance. Ouais, début de la déchéance. Son déranché était le début de la déchéance. Oui, c'est vrai. Exactement. Interdit sur...
Pardon, mais vous avez tellement géré. Alors, ceci est un personnage, sauf si vous avez adoré. C'est vraiment nous. C'est vraiment nous. C'est nous, c'était un personnage. Ah la vache, pendant deux secondes, je me suis vraiment senti, je sais pas, en vieille réunion de famille moisie. Ouais, t'as commencé tout le monde a 2 grammes. Dit, oh là. Et d'un coup, t'en es un enfantable et on parle de politique. Non. J'ai failli faire mal. Oh la vache. Oui, mais là, ça va, c'était un rôle, tu vois. C'était un personnage. En vrai, je pense que t'as un vrai discours comme ça sur Twitch. En tant que présentateur, ta chaîne se fait ban. Et c'est même pas une blague. Ouais, parce que t'es référencé en politique et tu te fais secouer c'est direct. Oh la vache, oui, c'est... Vous avez géré, hein, putain, là, mais... Je suis ce salaud. Il y avait vraiment besoin de cracher du mauvais, quoi. Mais pour ça, elle est pas une... Mais bon, on arrive sur la fin de cette émission. C'était pour vous défouler avant les deux derniers tours de table, histoire que ça aille mieux. Vous ayez sorti tout le côté un peu sombre de vos personnalités, et on les a bien vus tout ça. On va commencer par un tour de table qui est très simple. Je vais vous demander de résumer tous les réseaux où on peut vous voir, vous contacter, vous écouter, vous regarder. On va se tourner vers la personne qui gère l'administratif. Antoine, non, c'est vrai, parce que je tiens à dire aussi que c'est Antoine qui a géré tout l'upload, etc., ouais. Les choses comme ça. Donc sur ça, il a... Oui, mais Antoine, il bouge du pavé, Antoine. Tout le monde l'entend pas. Donc, ce soir, c'est moi qui m'occupe de rediff. C'est moi qui m'occupe de rediff, t'inquiète. Mais tu sais ce que je veux dire. Mais tu géreras de reposter quand même. Oui, oui. De toute façon, c'est moi qui ai géré sur Insta. De toute façon, on ne fait pas rien. On ne paye pas tout le temps. Je ne me paye pas moi-même parce voilà, que j'ai les comptes. Mais du coup, c'est le moment de les cracher, tes comptes. Mais du coup, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sauf Twitter, parce que Twitter, enfin, X. Bon. Voilà, c'est compliqué. C'est en fait, eux, mais tout le temps. Non, mais surtout, on a dû mettre 2 posts, je crois, il y a 3 ans. Donc ça ne sert à rien. Ah, on a publié sur Twitter. Ouais, incroyable, c'est incroyable, je sais pas, je trouve. Pour le coup, c'est le seul réseau que je n'ai pas géré, c'est Van, la kilomètre. Ouais, c'est bien, Van. Ça a bien marché. Hein, c'est cool. Ouais. Sinon, Pramfaya off sur Instagram et Pramfaya sur Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur Bandcamp, où du coup, vous pouvez retrouver notre premier EP, notre album et notre merch également. Quoi d'autre? Sur les disponibles, sur toutes les plateformes d'écoute. On a des clips disponibles sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver donc sur YouTube, YouTube Music, Spotify, Deezer, Apple Music, sur notre propre iTunes. Sur YouTube. Exactement. Et il y a un clip avec des choses à venir. Et des choses. Le clip de The Forge arrive cette année. Et les annonces de nouveaux clips et tout, Facebook et Insta? C'est principalement Facebook et Insta. Ok. Du coup, c'est une bonne chose. Si vous voulez pas vous emmerder à tout ça, vous tapez un point d'exclamation bande dans le chat et on vous donne le lien qui donne tous les liens. Ah oui, sur notre Linktree, vous avez absolument tout. Et d'ailleurs, félicitations parce que c'est le Linktree ou le Flowcode, ça dépend quelle entreprise t'as pris, hein, mais c'est la même chose. C'est un truc que les groupes, je trouve, oublient de faire. C'est hyper important. Ou alors, ils mettent que les clips qui vont bientôt arriver. Tu peux te pré-shot le truc. Ouais. Sauf qu'en vrai, pensez à mettre tous vos réseaux sociaux parce qu'il y a des fois des professionnels qui vont tomber sur votre lien et ils n'ont pas envie de juste s'abonner pour le prochain clip. Ils veulent vraiment vous contacter en fait. Donc n'hésitez pas à mettre un mélange des deux, mais n'hésitez pas à bourrer, c'est fait pour ça. Donc là, tu bourres tous les liens du monde. Donc voilà. C'est un très bon réflexe. Et dernier tour de table, cette fois-ci, comme vous avez craché tous vos démons, on va pouvoir être mignon. Vous allez chacun à votre tour. Caméra. je viens de le réveiller. Non, il ne peut pas faire le chat avec la caméra en même temps. Je me suis dit, je vais l'énerver juste à la fin de l'émission. Comme ça, il va me pourrir toute la soirée vu qu'il dort à la baraque. Vous allez pouvoir être mignon, chacun à votre tour. Vous allez pouvoir prendre 2 ou 3 minutes pour faire un remerciement à tous vos auditeurs, vos proches, les gens que vous aimez. Bref, c'est le moment des big up, comme on dit dans le métier. Ouais, donc, on commence par toi là-bas, ça t'apprendra à bégayer et à être un petit si méchant. J'ai bégayé, moi. Jamais. Il dit tout le long de l'émission depuis 3 heures. Je suis super fort pour le remercier. Sauf quand il a décidé d'être Bad Pascal Pro, il n'a pas bégayé du tout. C'était que j'ai... Il s'est dit enfin. Donc du coup, on a Pascal Pro, Luigi et... Le Hobbit. Le mec au fond là-bas. C'est toi le Hobbit? Mais je sais pas, j'ai pas compris. C'est moi le Hobbit. J'ai vu la bague passer, je l'ai pas compris. Bah déjà, merci à Luigi, comment il s'appelait, mais merci à toi. Bah écoute, je crois que finalement, il a pas. Je sais pas s'il est parti ou s'il a compris le fait que. C'est trop bon vent à toi. Bon vent, ça nous voit. Zelos Game, qu'on a banni que 10 minutes, donc ça va, il devrait être de retour. On fait des petits bannissements gentils, mais en fait, le bannissement, c'était pour éviter que ce soit
Twitch lui-même qui le bannisse, parce que là, il aurait été banni sur toutes ses chaînes, donc pas cool, en fait. Mais moi, j'aurais bien aimé savoir s'il me connaît vraiment, parce qu'il a envoyé des messages, j'ai l'impression qu'il me connaissait pour de vrai. Et du coup, j'aurais... Comme ça, il a trop trouvé, la pété. Non, mais comme ça, j'aurais été pas avec lui. Non, je suis pas comme ça, moi, je suis du genre à papoter. Et vous pouvez dire ce que vous voulez dans le chat, mais il y a des règles que Twitch impose, et allez pas vous faire bannir de toutes vos chaînes pour juste un message. Il y a des fois, faut savoir composer. Puis la langue française est fournie, tu peux dire tout un tas de conneries, de saloperies avec un message un peu fourni. C'est ce que je fais pendant 3 heures, les loulous, tout va bien. Du coup, bien de tourner du pot et de se mettre des coups de langue un peu mal placés, est-ce que tu peux dire... Déjà, un grand merci à tous ceux qui ont été présents ce soir. C'est cool d'être ouais. Nous écouter pendant 3 heures, dire de la merde des fois, comme oui. Fin. C'est fait exprès, hein. Et, en tout cas, merci beaucoup à ceux qui étaient derrière et ceux qui étaient là avant, qui nous suivent depuis... Un grand merci à toute l'équipe aussi, que vous voyez derrière la caméra. Ouais, ça, ouais, exactement, vrai. Merci à tous pour l'invitation, pour l'invitation, pour le cadre, pour écoute, on est bien entouré. C'était dans le pack. Le pack est c'est un bon pack. D'une manière générale, sinon, c'est merci à tous les gens qui nous suivent, ouais. Les gens qui nous soutiennent, qui viennent nous voir. C'est ça, ouais. Parce qu'un groupe, c'est pas juste, la plupart des gens, un groupe, on voit juste les gens qui sont sur scène et qu'on voit en photo. On voit pas le travail et les galères. Mais ouais, il y a tout derrière tout ça, il y a plein de gens qui travaillent, qu'on a missionné pour ça, pour plein de trucs, c'est en fait. Ça, et même personnellement, nos parents, nos frères, soeurs, etc., qui sont en tout cas dans un grand soutien, et vous aussi, ouais. Nos compagnes aussi, qui supportent aussi le fait qu'on part. Tous les gens qui nous filent des coups de main, tous ces gens-là, ils sont indispensables à la vie de notre groupe et à la vie de tous les groupes que vous voyez, en fait. Tu sais que c'est pour ça que l'émission fait 3 heures, c'est pour que justement on voyait aussi le côté un peu plus travail d'un groupe, parce que un groupe sur scène, c'est cool, mais en vrai, derrière, machin. Et c'est pour ça qu'on a fait la didouille aussi, c'est parce que, pareil, quand tu vois un groupe sur scène, ça s'éclate parce que tu vis le moment, et j'espère bien que tu t'éclates quand t'es sur scène, mais c'est vrai que derrière aussi, t'as pas mal d'emmerdes, de problèmes, et que il faut savoir soutenir un groupe. C'est comme ton club de foot préféré, faut le soutenir dans la défaite comme dans la victoire. C'est ça, exactement. C'est pour ça. Et du coup, je vais clôturer cette émission. Déjà, je vais remercier Primal Age, Quentin Didier. Parce que quand vous m'envoyez des groupes, vous m'envoyez comme beaucoup de professionnels en ce moment, vous m'envoyez des pépites et que j'aurais certainement passé, qui serait passé sous le radar, et c'est dommage. La preuve en étant, j'ai croisé Daredevil, si c'est pas trop la classe. Du coup, merci à vous. Je vais remercier à tous les gens dans le chat parce que c'est vraiment un putain de bonheur de vous voir de plus en plus nombreux, de plus en plus réactifs dans ce chat. On a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de petite famille qui se fonde où vous vous vannez entre vous. Et c'est cool, et que pour nous c'est un bonheur en fait de voir les groupes prendre des compliments comme ça en pleine gueule, ou même des petites questions, parce que au moins ils sont venus, et ils ont pris un compliment, enfin bref, c'est un bon moment que vous leur offrez, c'est génial, et je vous remercierai jamais assez de tout le soutien que vous avez donné ces 5 dernières années, parce qu'on est quand même parti de deux couillons en fond d'écran avec juste un logo, avec des micros qui n'avaient pas de connexion, à bonjour, on va amener tout un tas de caméras pour finir au Hardcore Car France. En 5 ans, c'est violent comme accélération, tu vois, même Baboulinet, il l'a pas fait une telle accélération encore, donc c'est juste fou, et je sais que je me répète, mais on a du mal des fois à réaliser le chemin parcouru qu'on a fait grâce à vous. Nous on est la tête dans le guidon en mode il faut faire mieux, il faut faire bien, et on se donne à fond pour chaque émission, pour chaque projet, pour vous donner vraiment le meilleur du métal, parce qu'il n'y en a pas assez sur internet, pour vous donner la meilleure façon, la meilleure chose qu'on puisse faire avec les moyens qu'on a. Mais en 5 ans, quand on regarde à l'arrière, il y a 10 fois plus de caméras qu'avant, on a 10 fois plus de moyens qu'avant parce que vous nous avez motivés. Il y a un nombre de gens à calculer derrière et on n'a pas assez de merci parce que je vous ai dit pour l'Hardcore Care, mais pour les derniers qui restent ce soir, je vous donne une petite réflexion. Demain, pour vous, on va interviewer les princesses Leia. C'est pas une blague, on y va vraiment demain. Et on va filmer une partie de leur concert, et vous aurez ça bientôt sur YouTube, le temps qu'on fasse le montage et tout et tout. Comment vous dire qu'en 5 ans, on passe de mec tout seul à scène émergente, à on est invité par le label At Home, qui n'est pas un petit label, pour dire on vous veut, vous, pour interviewer les princesses Leia avant leur concert. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que c'est pour nous, en fait. C'est vraiment un truc de fou, et là je parle, mais j'ai le frisson dans le dos, et je pense que demain, je vais être une gamine de 16 ans qui ne saura pas poser ces questions. Il va falloir que je travaille tout ça. Mais voilà, vous nous offrez cette chance, et nous on va faire au mieux pour capitaliser, entre guillemets, proprement, pas le vrai capital, mais pour en faire quelque chose de bien, et que vous pourrez vous amuser sur internet à le regarder, et j'ai plus assez de merci de la part de toute l'équipe, parce que là, c'est deux news coup sur coup, on est juste le cul par terre, en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans, et comment on en est arrivé là,
c'est pas un coup de question qu'on n'a pas de réponse, à pas juste merci pour tout, à la prochaine et rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, on essaie de vous faire des vidéos propres pour YouTube avec des sacrés interviews qui arrivent. Voilà. Merci pour tout. Ciao. Prenez soin de vous. Salut. Salut. Ciao. À la prochaine.